On est dans le Kutala Choto Achaim, le Chelek Gimel, livre numéro 3. Il choteru vetrumim alachahe, ubo yidbaer inyan Shavuot. Donc ici, Rabbi Nathan va parler de Shavuot. Alpi Torah tiku emuna, bekute tiananya siman he, ayn sham hetev kol Torah. Donc ici, il va parler d'après la Torah de Rabbeinu, qui est la Torah He dans la deuxième partie de l'Ikote Moran. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, c'est-à-dire ce qu'on va développer dans cette halakha, de ce qui nous concerne dans la Torah, c'est que le ikar c'est la emuna. Et tsarich kol echad lechapes ulchazek et atzmo beemuna. Chacun il doit se chercher et se renforcer dans la emuna. Vatikun lealot haemuna mifinata ushitzchim lachtor limtzo amaim shemisham kde la emuna. Maintenant, comment faire pour remonter la emuna de là où elle est tombée? C'est qu'on doit chercher de l'eau qui fait pousser la emuna. Il y a une certaine eau qui fait pousser la emuna. Velo amayim hemprinat etzot semem kde la emuna. Qu'est-ce que c'est cette eau là? Ce sont les conseils qui font grandir la emuna. Donc la emuna, sa façon de pousser, c'est grâce aux conseils. Beprinat odeshimcha. Qui a cité Pele Etzot Merachok Emuna Omen. Alors, comme c'est écrit dans Eshaïa, que maintenant, Odeshimcha, qui a cité Pele Etzot, et je vais reconnaître ton nom, je vais t'être reconnaissant, parce que tu as fait des merveilles, tu as amené des conseils, Merachok Emuna Omen, c'est-à-dire tu as fait. Omen, ça veut dire un. Omen, c'est un tuteur, c'est quelqu'un qui va faire grandir quelque chose, qui va faire pousser quelque chose. On l'appelle Omen, c'est quelqu'un qui est le tuteur de quelque chose. Alors Omen, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que dans Yeshaya, il remercie HaKadosh Baruch Hu, qu'il a donné des conseils, que ces conseils-là, ils font grandir la Emouna. Qu'est-ce que c'est les conseils? Les conseils, c'est la profondeur du cœur. Quand maintenant la emuna, elle s'est abîmée, alors on doit crier du cœur seulement. Le cœur, il a crié vers Hachem. Comme c'est écrit, des profondeurs, j'ai crié vers toi Hachem, à dire des profondeurs du cœur. Maintenant, les profondeurs du cœur, ce sont les conseils. Comme c'est écrit dans Michelet, des eaux profondes, c'est le conseil dans le cœur de l'homme. Grâce aux conseils qui se révèlent dans le monde, ça va faire grandir la emuna. Et à ce moment-là, on répare la emuna. Si on répare la emuna, tout se répare, parce que les conseils, c'est un pélé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est pas logique du tout. Comment, avec un conseil, on arrive à réparer la emuna? Maintenant, pour faire l'idlot, ça veut dire puiser et réveiller et révéler les eaux en question, c'est-à-dire les conseils, de ça on a besoin de Ishtvunot, on a besoin d'un homme qui ait de la réflexion, c'est-à-dire qui sache déduire les choses. Ve Ishtvunot ou Mishi Eshlo Neshama. Et un homme de Tvunot, c'est-à-dire un homme qui sait penser, qui sait réfléchir et déduire, c'est quelqu'un qui a une Neshama. Ve Sa'ir Letzatzeach ou Zakech HaNeshama. Il faut maintenant faire briller et nettoyer la Neshama. Maintenant, comment on va purifier la neshama? On va la nettoyer. C'est quand on amène de la spiritualité divine dans les tzimtzumim, c'est-à-dire dans les endroits où apparemment, à prime abord, on ne voit pas exactement quelle est la présence divine dans ces endroits-là. Vaklal qui a l'idée amshachat ruchniut elokut le Torah tzimtzumim. Quand on amène de la divinité dans les tzimtzumim, c'est-à-dire dans les contractions, d'ainu le toch gufim, c'est-à-dire dans des corps, aïdézé nirpal mitrabe parnasato.
ça va multiplier et faire grandir sa parnassa. Parce que quand quelqu'un il amène maintenant de la présence spirituelle dans les tzimtzoumim, c'est-à-dire dans des corps, ce monde-là en général c'est un corps. Tout ce monde-là c'est un corps. Ce corps-là, il reçoit il est fait pour recevoir de la neshama d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie sans arrêt de la spiritualité dans ce corps-là. Il faut appuyer sur le verre là-bas, qu'il puisse se connecter. Voilà. Non, il a déconnecté. Bon, alors maintenant, ce monde-là, c'est un corps. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est une base pour pouvoir dedans révéler la Elokout. Voilà, si tu peux maintenant, tu peux lui donner le OK. Donc, dans ce monde, tout ce monde-là, ce sont des récipients qui sont des corps, et que ces corps-là, ils attendent la révélation d'Hachem. Maintenant, dans la création du monde, on a le principe de la création du monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a retiré la lumière infinie sur les côtés, de manière à pouvoir faire pousser dans ce monde-là de la recherche de l'homme, c'est-à-dire que l'homme il puisse chercher Hachem. Donc Hachem, il s'est retiré, pas complètement, il a gardé une certaine présence, et aussi ce monde-là est alimenté en permanence en divinité, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le langage des Mekoubalim, ce qu'ils appellent un cave, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui alimente ce monde-là en spiritualité. Et cette ligne-là, elle est réglée selon les niveaux des gens. C'est-à-dire que plus les gens, ce monde-là qui est un corps en général, il va chercher la spiritualité, et plus cette ligne-là qui alimente le monde en dose d'infini, elle va augmenter. C'est-à-dire plus les corps ils demandent de l'infini, et plus l'infini va rentrer petit à petit dans le monde. Ça s'appelle amener de la Elokout dans les Tzimtzoumim. C'est-à-dire ce monde-là, c'est un Tzimtzoum. C'est en lui-même, c'est une contraction. Comme un corps. Un corps, c'est une contraction. Une contraction, c'est un vêtement. C'est un keli, c'est un outil. Maintenant, tout ça, ce sont des choses qui sont extérieures. Le principal de tout ça, c'est d'amener dedans une neshama. C'est ça qui compte. C'est-à-dire tout son passage sur terre, le corps, il est là que pour servir la neshama. Après, il va aller dans la tombe et il va redevenir de la poussière. Donc le temps qu'il est là, il doit servir la neshama. C'est-à-dire il doit servir comme récipient à la neshama. Donc tout ce qui est tzimtzumim dans ce monde, que ce soit la matière en général, que ce soit les individus aussi en général, c'est-à-dire plus un niveau est élevé, plus il est neshama par rapport à un autre. Par exemple, le Ham Israël, il est neshama par rapport aux nations. Le mari, il est neshama par rapport à la femme. Le tzadik, il est neshama par rapport au Ham Israël. La terre d'Israël s'appelle neshama par rapport à Chutz La'aretz. Comme ça, à chaque fois, il y a une... des tzimtzumim, que ces tzimtzumim là ils se révèlent petit à petit par rapport à la divinité qui va rentrer dedans. Alors ils vont servir de base pour pouvoir révéler le Ein Sof. C'est un grand principe spirituel qui s'appelle d'amener de la ruchniyut dans les tzimtzumim, d'aynu letor gufim, c'est-à-dire d'amener dans des corps zeprinat bria. Et ça, c'est ça qui s'appelle une bria, c'est-à-dire une créature. Une créature, comment elle est née, une créature, elle est née comment? Par le fait qu'il y a une âme qui est rentrée dans un corps. C'est ça qui a donné une créature. Donc maintenant, un corps, tant qu'il n'a pas reçu son âme, il est considéré comme un récipient qui est nul pour l'instant. Vas-y, si tu peux il faut leur dire qu'ils restent connectés, parce que ça part toutes les deux minutes.
דהיינו לתור גופים זה בחינת בריאה כי נעשה אתה בריאה חדשה לידי חיבור רוחניות אלוקית עם הגוף והצמצום שזה עיקר הבריאה. Alors maintenant, le icar de la bria, c'est quoi? C'est qu'il y a eu maintenant un lien entre maintenant le corps et la neshama. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a du spirituel qui rentre dans du matériel, ça fait une bria, chadasha. Qu'est-ce que c'est une bria chadasha? Ça veut dire que cette terre, elle était là, comme l'homme, c'était de la terre. Cette terre, elle était là. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a mis dedans une neshama. Il a mis un souffle divin dans l'homme, et l'homme il est devenu une bria, il est devenu une créature, mamash. Maintenant dans le monde, tout est un potentiel de créature, c'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il a mis dans le monde, ce sont des éléments qui peuvent éventuellement être des créatures, ou bien être des corps qui sont morts, qui vont servir à rien. Tout dépend de combien la neshama elle va rentrer dans ces corps-là. C'est-à-dire combien on a fait rentrer de Elokut dans ces Tzimtzumim. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé dans la Torah d'utiliser des choses. On utilise le Lulav, le Etrog, la Soukha, on utilise des choses pour Shabbat, on utilise la peau pour faire la peau des animaux, pour écrire. Tout ce qu'on utilise dans la Bria pour pouvoir servir Hachem, ça s'appelle qu'on rentre du spirituel dans des Tzimtzumim. C'est-à-dire que maintenant, ces tzimtzumim-là, quand tu vois du klaf, la peau d'un animal, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien du tout dans le monde. À quoi ça va servir? Ça peut servir pour faire des fourrures ou des... À quoi ça peut servir? C'est-à-dire, ça peut servir que à du fonctionnement de matériel. Mais maintenant, quand il y a une mitzvah qui se fait d'afka avec cette chose-là, alors cette chose-là, elle devient une créature. C'est-à-dire, une créature, ça veut dire une âme dans un corps. Tant qu'il n'y a pas l'âme dans un corps, ça ne s'appelle pas créature. Créature, ça va devenir quand l'âme elle va rentrer dans le corps. Comme Rabbi nous dit, quand quelqu'un il fait tshuva, il se prépare à exister. Maintenant, il n'existe pas encore. Avant qu'il fasse tshuva, il n'existait pas du tout. Maintenant qu'il a décidé de faire tshuva, il rentre dans une salle d'attente. On lui dit maintenant, attendez le temps qu'il faut et vous allez exister. Pour l'instant, on est en train de fabriquer les récipients pour vous permettre de recevoir de la divinité. Parce que de là où vous venez, vous ne pouvez pas recevoir de divinité. Moi, quand j'ai fait tshuva, j'étudiais à la yeshiva, 12h, 14h, 17h par jour, j'étudiais. Quand je suis venu ici à Breslev, je parle avec un rav, je lui dis voilà, il m'a dit, tu peux pas étudier autant que ça. Tu n'es pas au niveau d'étudier autant la Torah. Donc tu vas aller travailler 7 heures par jour, 8 heures par jour, et tu vas étudier un petit peu. Mais tu ne peux pas étudier toute la journée. Pourquoi? Parce que regarde d'où tu viens. Tu ne peux pas venir de là où tu viens et tu vas étudier toute la journée la Torah. Ce n'est pas possible. Tu es obligé, tu vas passer par une période d'attente. Cette période d'attente, on va voir si tu veux vraiment, tu vas vouloir. Et tout ce temps que tu vas vouloir, tu vas permettre à ton corps de recevoir ta neshama. Mais tu ne peux pas sauter directement dans un monde spirituel parce que tu vas te faire brûler complètement. Tu n'as pas de récipient. Tu as vécu, pour l'instant, tu n'étais pas une créature, tu n'existais même pas. Quelqu'un qui n'a pas fait tshuva, il n'existe pas. Comment tu veux passer de la non-existence à la spiritualité? Tu ne peux pas. Donc il y a une salle d'attente. Cette salle d'attente-là, elle va te permettre de te préparer à exister. Donc tu vas entrer ce qu'on appelle de la Elokut dans les Tzimtzumim. C'est-à-dire que tu vas apprendre, tu vas te rééduquer, tu vas savoir que ce monde-là, il sert à révéler Hachem. C'est-à-dire que chaque chose, elle est faite pour révéler Hachem. La parnassa, c'est pour révéler Hachem. Le mariage, c'est pour révéler Hachem. Toutes ces choses-là, c'est tout ce que tu as dans le monde, c'est pour révéler Hakadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu vas prendre un petit peu connaissance de ces systèmes-là, de ces concepts, comment ils marchent, après, petit à petit, tu vas rentrer un petit peu dans le monde spirituel. Mais il faut un certain temps. Tu ne peux pas sauter directement à l'intérieur. Parce que si tu sautes directement à l'intérieur, les masses, tu vas rester toujours à l'extérieur. Même si tu es apparemment à l'intérieur, mais tu seras toujours à l'extérieur. Parce que pour rentrer, il faut une période de formation. Si tu ne fais pas cette formation, tu vas jamais rentrer. Même si tu es dedans. Tu n'es pas dedans. Du tout. Pour être dedans, il faut une formation. Cette période-là de formation, c'est une période d'attente.
pour devenir une créature mamash, c'est-à-dire pour devenir un corps avec une âme. Maintenant, quand il y a le corps et l'âme, ça amène la parnasa. On va voir Shama in Sham. Comme il écrit là-bas, on va voir, comme on l'a dit plusieurs fois, que la parnasa, elle vient du contact entre le corps et l'âme. Valider la parnasa ou metzartzer nafsho. Et grâce à la parnasa, maintenant, il va faire briller, il va nettoyer son âme. Qui achilat tzadik ou rak bishvila neshama. Parce que le tzadik, quand il mange que pour la neshama. Moshkatuv tzadik ochel lisboa nafsho. Comme il est écrit dans Michelet qu'un tzadik qui mange que pour assasier son âme. Un tzadik qui ne mange pas pour assasier son corps. Quand Rabbeinu, on lui donnait à manger, alors il fallait le distraire. Parce que Rabbeinu ne pouvait pas manger. Ça le dégoûtait tellement de manger, il ne pouvait pas. S'il était conscient, alors il ne pouvait pas manger. Alors il y a quelqu'un qui lui parlait, etc., qui le distrait un peu. À ce moment-là, il mangeait un petit peu. Mais il ne pouvait pas s'asseoir manger comme ça. C'était impossible pour lui de manger. Parce que les tzadikim, ils ne peuvent pas supporter la matière. Comment quelqu'un va prendre la matière comme ça, la rentrer dans son corps? C'est très difficile. Les tzadikim, ils font un travail énorme avant de manger. Parce que c'est difficile d'intégrer le manger et d'en faire de l'énergie spirituelle. C'est un gros travail. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle que l'âme, elle est rassasiée? C'est-à-dire que quand il fait briller son âme, pas grâce à sa nourriture, ça s'appelle qu'il est rassasié. Rassasié, ça veut dire qu'il y a eu un contact qui s'est fait entre l'âme et le corps. C'est-à-dire qu'au moment du manger, comme c'est écrit, Be'et Achila, c'est écrit dans Ruth, Be'et Achila Gishi Alom, c'est-à-dire au moment de l'Achila, viens dans cet endroit. C'est-à-dire, il lui a dit, Boaz à Ruth, viens, tu vas venir dans cet endroit et tu vas cueillir du blé, etc. Mais Gishi Alom, ça veut dire maintenant, rapproche-toi d'Hachem au moment de la nourriture, c'est-à-dire au moment du repas. Au moment du repas, rapproche-toi d'Hachem. Ça veut dire que maintenant, le moment du repas, c'est un moment qui est propice pour se rapprocher d'Hachem. Parce que c'est un moment de contact entre l'âme et le corps. Et on peut arriver à faire ce qu'on a dit ici, une créature. C'est-à-dire on peut arriver à investir l'âme dans le corps. Comme c'est écrit, tu vas rassasier avec de la brillance. Tu vas rassasier ton âme. Vazai keshemetzatzeach nishmato, quand il fait briller son âme, azai ush tvunot, devient un homme de réflexion. Beprinat venishmat shaddai tevinam, comme c'est écrit, l'âme de Shaddai, elle va leur faire comprendre. C'est-à-dire comprendre ici, c'est dans le olam de la bina. On ne parle pas ici de chokhma, on parle de bina. La différence entre chokhma et bina, c'est que la chokhma, c'est la connaissance à l'état pur. C'est-à-dire quand on apprend des choses qu'on ne savait pas et on les ingurgite comme ça, les unes après les autres. Et la tvuna, c'est quand on déduit des choses d'après ce qu'on a appris. C'est-à-dire maintenant on a appris A et B, maintenant on déduit C. Ça s'appelle tvuna. Quand on a appris A, on a appris B, ça s'appelle chokhma. Maintenant quand on déduit de ça le C, ça s'appelle tvuna. Tvuna, ça veut dire, comme il dit Rashi, chokhma, c'est Maché Adam l'omed mi'acherim, c'est ce qu'un homme il apprend des autres, ça s'appelle Chokhma. Maintenant, Bina, c'est ce qu'il comprend de ce qu'il a appris des autres. C'est-à-dire que maintenant, de lui-même, il a compris. Ça s'appelle Ishtvunan, c'est-à-dire un homme de déduction. Maintenant, grâce à ça, il va y avoir des conseils qui vont se révéler. Misham Kdela Emuna, et de ça, ça fait grandir la Emuna. On va voir tout ça là-bas. Donc maintenant, quand il y a déduction, il y a conseil automatiquement. Parce que quand il y a déduction, ça veut dire que la personne, elle arrive à déduire le comportement à avoir dans la situation qu'il faut la gérer. C'est-à-dire la situation, elle parle d'elle-même. La situation, elle parle d'elle-même. Maintenant, pour que cette situation-là, elle nous donne des conseils, il faut avoir ce secret de la bina, c'est-à-dire savoir déduire. Il faut pas vivre les choses, il faut pas vivre les choses comme ça, c'est-à-dire tout ce qu'on vit, il faut se poser la question, est-ce que maintenant
ces choses qu'on est en train de vivre, est-ce qu'on a compris quelque chose de notre vie? Est-ce qu'on a déduit quelque chose de notre vie? Est-ce que le passage qu'on a fait sur terre, de tant de jours, ça nous a enrichi en quelque chose? Est-ce qu'on a déduit de ça quelque chose, ou bien on est resté comme on était? Si on est resté comme on était, ça veut dire qu'on n'a pas de bina, c'est-à-dire qu'on n'a pas la déduction. L'homme, Hachem, il lui a donné le koar de bina, la femme encore plus, mais l'homme aussi, il a la bina. La bina, c'est qu'il arrive à déduire des choses par rapport à tout ce qu'il a ingurgité comme connaissance, après il fait des rapprochements entre les choses, et il arrive à déduire. Et maintenant, les conseils, ils viennent de la force de déduction. Plus quelqu'un, il sait déduire, et plus il va trouver des conseils. Parce que des conseils, c'est quoi? C'est que maintenant, on va te donner une situation, on va te dire, voilà, c'est comme si on te donne un problème. Tu vois, alors quelqu'un, il a 10 euros. Maintenant, il a 5 enfants, il habite au premier étage, il doit faire Shabbat. Comment il fait? Alors maintenant, avec ces éléments-là, tu dois trouver un conseil. C'est-à-dire un conseil, c'est-à-dire tu dois trouver maintenant comment faire pour cette situation en tirer une attitude à avoir. C'est-à-dire comment la personne elle va faire maintenant. Voilà, on t'a donné les éléments du problème. Maintenant, essaie de résoudre le problème par la déduction uniquement. C'est-à-dire tu vas déduire, d'après les éléments qu'on t'a donnés, tu vas déduire le conseil. Alors c'est ça que les tzadikim, ils font ça sans arrêt. C'est-à-dire que eux, tout ce monde-là, quand ils l'observent, ils déduisent de ça des conseils. C'est-à-dire chaque chose qu'ils entendent, ils le traduisent tout de suite en conseil. Parce qu'ils ont une bina qui est très très, très forte, c'est-à-dire très très éveillée. Alors comme la bina, elle est très éveillée, dès qu'il y a quelque chose, ils déduisent tout de suite le conseil, l'attitude à avoir dans cette situation-là. Valide shema alim haemuna nefula. Maintenant, quand on fait monter la haemuna qui était tombée, puisque maintenant les conseils, c'est comme une échelle qui vont nous permettre de remonter vers la haemuna. Une fois qu'on est remonté de là où on était vers la haemuna, alide zeh naasim gerim. Et à ça va faire des guérim, des gens qui vont se convertir, des balai tchouva, des guérim, des gens qui vont revenir vers Hachem. Va guérim kashim l'Israël qui s'apachat. Maintenant les guérim, ils sont durs pour l'homme Israël comme s'apachat. Saparat, je ne sais pas si c'est une aiguille, quelque chose qui fait mal. Pourquoi? Qui guérim machnissim gaava b'Israël. Parce que les convertis sont des gens qui rentrent de l'orgueil dans l'âme Israël. Puisque maintenant, quand quelqu'un il se convertit, alors les juifs ils disent, ah tu vois, il y a un autre qui est revenu vers nous, etc. Ça donne de l'orgueil au âme Israël. J'avais dit, notre lima chereva gaava manigé ador, chevit gaim alado bechinam. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait? Quand maintenant les juifs ils ont de l'orgueil de ça, qu'il y a des gens qui se sont convertis à leur émouna, alors cet orgueil-là, il va servir à qui? Il va servir aux dirigeants de la génération qui vont, eux, s'enorgueillir sur la génération gratuitement. C'est-à-dire que sans avoir aucune raison de s'enorgueillir sur la génération, ils vont s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser cet orgueil-là du Ham Israël. Cet orgueil qui est rentré dans le Ham Israël par le fait qu'ils ont cette attitude par rapport aux convertis. Alors cet orgueil-là, il est utilisé par certains dirigeants de la génération, et avec ça, ils vont s'enorgueillir sur la génération de façon gratuite. Et quand ils font ça, alors ils renforcent le niouf dans le monde, c'est-à-dire la perversion. Maintenant, comment on peut se sauver de ça? C'est grâce aux Maginéador, c'est-à-dire des gens qui sont des protecteurs de la génération. Parce qu'il y a des Maginéret, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des protecteurs du monde et qu'eux, ils sont tout le temps en train de soumettre, de détruire le Chotam de Sitrachara, c'est-à-dire le scellé négatif. Beprinat Echtim Besaro. Comme c'est écrit Echtim Besaro dans Vaikra, Echtim Besaro, ça veut dire j'ai fait sceller sa chair. Vema Alim Meprinat Echtim Besaro, Leprinat Rotam de Gdusha. Alors maintenant, de Echtim Besaro, qui est maintenant là où la personne est tombée à cause des dirigeants de la génération qui ont de l'orgueil,
sur la génération, parce que cet orgueil, le prennent Dieu à Israël, qui est orgueilleux de, que des convertis viennent chez eux, ça, maintenant, ils vont le transformer, ils vont l'élever dans la Kdusha. C'est-à-dire, ça devient des tfilines, ils en font de sentiments d'esprit. Donc maintenant, encore, Rabbi Nathan, il ramène encore, là encore, un résumé très rapide de la Torah, et il te dit, va bien voir là-bas. Maintenant, c'est ça qui est Shavuot, Matan Torah. À Shavuot, on a reçu la Torah, qui est Kabbalat Torah, va mitzot, wa emuna. Parce que maintenant, comment on reçoit la Torah, les mitzvot? C'est grâce à la Emouna, à la confiance dans Hachem. Shehu yesod kol la Torah vers mitzvot. Que la Emouna, c'est la base de toute la Torah et des mitzvot. Comme je katouv, kol mitzvotecha Emouna. Comme il est écrit, toutes tes mitzvot, ce sont de la Emouna. Comme je shavru rabbetenuzal, ba chabakouk ve emidam alachat. Il est venu chabakouk et il a fait tout tenir sur une seule chose. Ve tzadik ve emunato yichir. Le tzaddik, il va vivre grâce à la Emouna. Valken trilat dvar Hashem shidiber im Israël ou anochi Hashem elokecha. Pour ça que le début, quand Hakadosh Baruch Hu a commencé à parler le Am Israël, au Am Israël dans les 10 commandements, la première chose qu'il a dit au Am Israël, il a dit anochi Hashem elokecha. Moi, je suis Hashem ton Dieu. Shehu ikar haEmouna. Ça, c'est le ikar de la Emouna. C'est le principal de la confiance en Hachem. La amin b'Hachem idbarar ou le vatel emunot kosviot. C'est-à-dire d'avoir confiance en Hachem et d'annuler les emunot kosviot, c'est-à-dire des choses dans lesquelles on croit qui sont fausses. De ne pas mettre ses croyances dans des choses qui sont fausses. Prinat lo yelecha elokim acherim. Tu n'auras pas d'autres dieux. Lota aselecha pesel. Ne te fais pas des statues, des idoles. Parce que ça, c'est le principal du début et de la fin et la base de toute la Torah entière. C'est-à-dire, dans la Emouna, il y a tout. Le fait de considérer Hachem, Ani Hachem Elokecha, ça inclut toute la Torah entière. Il y a tout là-dedans. Qui a Ikar ou Emouna? Parce que la Emouna, c'est le Ikar. Ou la Alot Emouna, Tzrichim Lachtor Amaim, Shebeim Gdela Emouna. Maintenant, comment on va faire grandir? On va faire monter la Emouna. La Emouna, elle est tombée. C'est-à-dire, quand maintenant quelqu'un, il a confiance, il met sa confiance dans le gouvernement, par exemple. Alors, il fait tomber sa Emouna. Quand quelqu'un met sa confiance dans les médecins, il fait tomber sa Emouna. Quand quelqu'un met sa confiance dans son patron, il fait tomber sa Emouna. À chaque fois qu'il a confiance dans des éléments qui sont eux-mêmes incapables de s'en sortir eux-mêmes. Comment tu veux qu'ils vont t'aider à toi? Eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Comment tu veux qu'ils vont t'aider? Comment tu penses qu'ils peuvent t'aider? Ils ne peuvent pas t'aider. Mais maintenant, chaque fois que ta confiance, elle a été placée, c'est comme de l'argent, quelqu'un il a de l'argent, il l'a placé. Il a placé là, voilà, il a placé tout son argent. Maintenant, quelqu'un, il a un potentiel d'Emouna. Maintenant, tout ça, Emouna, il l'a placé dans des éléments. Dans ses parents, que s'il a un problème, ils vont l'aider. Dans le docteur de famille, que s'il a un problème de santé, il va l'aider. Dans son patron, qui va lui donner un parnassa. Dans le gouvernement, qui va le défendre contre les ennemis, etc. Tout ça, c'est la Emouna, la personne, elle a investi là-dedans. Donc maintenant, la Emouna, il faut la reprendre de là-bas. Toute cette confiance qui a été misée sur ces gens que eux-mêmes ils sont des gens qui sont eux-mêmes dépendants. Comment tu vas faire? Ces gens eux-mêmes c'est des gens qui sont dépendants. Comment tu veux qu'ils t'aident? Ils peuvent pas t'aider. Ces gens-là eux-mêmes ils peuvent pas t'aider. Une fois il y avait quelqu'un dans la vieille ville ici dans la ville arabe. Il y avait dans une famille un petit bébé qui est tombé. Il est tombé du balcon et il était très gravement blessé. Alors les médecins, ils l'ont vu, ils ont dit, cet enfant, il va mourir, et s'il ne meurt pas, il va rester de toute façon, il va rester paralysé toute sa vie et tout, vu l'état dans lequel il est son cerveau, le coup qu'il a reçu en tombant du balcon. Alors les parents, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient affolés. Alors on leur a dit, regardez, il y a un Breslev ici, qui habite à côté, il s'appelle Rav Shlomo Wexler. C'est un grand sadique, un Breslever. Il dit, voilà, il y a un Breslev qui est là-bas, peut-être aller lui demander une bracha,
pour le bébé. Alors ils ont emmené le bébé là-bas. Lui, c'était un homme tellement simple, tellement intègre, qu'il n'a pas compris pourquoi ils sont venus le voir. Il a dit, moi je ne peux rien faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Alors après, il a vu qu'ils avaient tellement du tsar et tout, qu'ils disaient, non, mais aidez-nous, etc. Regardez l'enfant, comment il est, aidez-nous. Il a sorti de sa bibliothèque, hein, l'Écouté Moran, il a ouvert, il a mis le bébé à côté. Il a dit, voilà, lui, celui qui a écrit ce sefer, lui, c'est un grand tzaddik. Lui, il peut aider. S'il y a quelqu'un qui peut aider, c'est lui. Et alors, il a dit ça, ils ont laissé le bébé un moment à côté du Écouté Moran. Après, ils sont repartis, le bébé commençait à être mieux. Et Bouk Hachem, il a grandi sans aucun problème de santé, rien du tout. Alors toujours, ce bébé, quand il a grandi, il disait toujours, moi, je suis vivant grâce à ce Rav Shlomo Wexler. Parce que c'est lui qui l'a amené à cette bracha-là que du côté moral. Mais lui, il n'a pas dit, venez, je vais vous faire une bracha. Il a dit, moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais si vous voulez, voilà, il y a un tzaddik que lui, il est très grand, Rabbi Nachman, lui, il peut vous aider. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Alors maintenant, le tzaddik, il va te donner les conseils pour récupérer ta emouna. Parce que quelqu'un qui a placé sa emouna dans des actions qui sont des actions perdantes, nulles, comment tu veux qu'il t'aide? Lui-même, il est ruiné dans sa emouna. Toute sa confiance, il l'a placée dans des choses que tu ne dois pas avoir confiance dans ces choses-là. Tu vas avoir que des déceptions, c'est tout ce que tu vas avoir. Là-bas, tu vas avoir que de la déception, tu n'auras rien d'autre. Donc, il vaut mieux que tu places ta emouna, ta confiance, tu la places dans Hachem. Mais une fois maintenant que tu l'as placée dans ça, dans le patron, dans la parnassa, dans les docteurs, dans le gouvernement, dans tout ça. Comment maintenant tu vas faire pour sortir de ça? Parce que maintenant tu as investi ta confiance là-bas. Ce n'est pas en un jour que tu vas changer, tu dis bon ça y est, j'ai plus confiance en eux, maintenant je vais avoir confiance dans Hachem. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas. Et maintenant il faut des cordes pour sortir, pour remonter la emouna de là-bas. Toute la emouna que tu as investie là-bas, il faut que tu la fasses remonter. Comment tu vas la faire la remonter? Grâce au conseil du tzaddik. Le tzaddik il va te donner des conseils. Comment tu vas faire remonter ta emouna jusqu'à que tu la récupères, et à ce moment-là, tu vas l'investir là où il faut l'investir. Mais d'abord, il faut que tu la récupères. Comme quelqu'un, il a acheté des actions. Maintenant, il faut qu'il récupère son argent avant d'investir ailleurs. Maintenant, c'est les Tariag Etim et Doraïta, c'est-à-dire les 613 mitzvot. Qu'est-ce que c'est les 613 mitzvot? Les 613 mitzvot, on appelle etin parce que c'est des conseils. Les mitzvot, c'est les maasés. Quand on dit kol mitzvot echa emuna, ça veut dire que toutes les mitzvot, c'est des conseils comment récupérer ta emuna que tu as placé dans des endroits qui sont des endroits de faillite totale. L'homme, il place sa confiance dans la faillite. Alors maintenant, Torah, elle vient et te dit, voilà, je vais te donner 613 conseils, comment tu vas récupérer la emouna. C'est pour ça que la emouna, on voit que tout est basé sur la emouna. J'ai pris la Tariag d'Oraïta, je suis au ta Torah, je suis cloné d'Aseret Adibrot, je suis Mekablim Beshavuot. Et ça, c'est toute la Torah qu'on reçoit à Shavuot, l'Aseret Adibrot. C'est-à-dire, quand on a reçu les 10 commandements, dans ces 10 commandements, il y a tout. C'est-à-dire, comment maintenant tu vas récupérer ta emouna? C'est ça que ça veut dire qu'il y a tout. Ça dit que bemouna toriché, ça veut dire que maintenant tu vas récupérer ta emouna. Tu vas récupérer ta emouna grâce à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné des conseils, tu vas pouvoir récupérer ta emouna. Qui klaliu ta Torah nikret etza. Parce que maintenant la Torah, dans sa généralité, elle s'appelle un conseil. Koshkatuv li etza vetushia anibina. Comme c'est écrit, Michelet dit, moi je suis le conseil et je suis la déduction. Prinatariag etin doraita. Comme c'est écrit que la Torah c'est 613 conseils. Qu'est-ce que c'est ces 613 conseils? C'est pour t'empêcher de tomber dans la faillite de la confiance. Parce que sinon tu vas voir dans ce monde sur quoi tu peux t'appuyer. Tout ce que tu vas essayer de t'appuyer dessus, tu vas voir qu'en réfléchissant un petit peu, tu vas voir que cette chose-là, elle ne va plus être là à un moment ou à un autre. Alors comment tu vas faire? Tu vas t'appuyer sur des appuis qui sont momentanés, mais à un moment, cet appui va tomber. Comment tu vas faire? Tu vas appuyer sur un arbre, cet arbre il va tomber. Tu vas appuyer sur un homme, cet homme il va mourir.
Tu vas, sur quoi tu vas t'appuyer? Alors, l'homme, quand il est sur terre, il cherche des appuis pour grandir. C'est-à-dire, il cherche sur quoi s'appuyer pour être en confiance et grandir. Maintenant, la Torah, elle vient, te donne 613 conseils. Comment faire grandir la Emouna? C'est les 613 mitzvot. C'est-à-dire, ces mitzvot, elles sont faites pour te donner confiance dans Hachem. Pour que tu trouves en qui il faut avoir confiance, c'est en Kadosh Baruch Hu. Donc, Kadosh Baruch Hu te dit tout de suite, Ani Hachem Elokecha, moi je suis Hachem ton Dieu. N'aie pas des idoles. Ne va chercher pas dans les idoles parce qu'ils ne pourront pas t'aider. Ils ne pourront rien faire pour toi. Ne mets pas ta confiance dans les idoles. Mets ta confiance dans Hachem. Donc de là, tu vois que toute la Torah, c'est que la Emouna. C'est-à-dire toute la Torah, elle a été donnée pour arriver à la Emouna. Qui car kol mitzvot la Torah imprinat etzot kedoshot. Parce que toutes les mitzvot de la Torah, ce sont des conseils qui sont saints. Chez imprinat maim amukim, qui sont des eaux profondes, qui amènent des conseils divins. Shaliyadam gdela emuna, que ça va faire grandir la confiance dans Hachem. Qui car tachrit la Torah ou emuna. Parce que le but de la Torah, c'est la confiance dans Hachem, les galot emuna kedosha baolam. De révéler dans le monde. La Emouna Kdosha, c'est-à-dire de montrer au monde que tout le but de la création, c'est d'avoir confiance dans Hachem. Les man da'at kol ha'aret ki Hachem o Elohim, pour que toutes les nations elles sachent que Hachem o Elohim, que Hachem c'est lui et Elohim. C'est-à-dire que celui qui a fait Teva, la gematria Teva Elohim, celui qui a fait ce monde-là, c'est Hachem ou Elohim. Ne crois pas que le Teva il existe. Le Teva n'existe pas. Hachem ou Elohim, Hachem ou Teva, c'est Hachem le Teva. Ce que tu vois dans le monde, ne t'appuie pas dessus, parce que c'est pas eux qui se sont faits. Eux, ils ne se sont pas faits. Les montagnes, elles vont s'user. Tout dans le monde s'use. Il n'y a rien qui ne tombe pas. Donc ne t'appuie pas sur quelque chose qui tombe. Akadosh Baruch Hu te dit, voilà, appuie-toi sur moi, Hachem ou Elohim. Hachem, c'est lui le Teva. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a dit, je vais vous donner 613 mitzvot, qui sont 613 conseils, comment ne pas tomber dans le panneau de l'idolâtrie, comment ne pas vous appuyer sur des choses qui ne sont pas des véritables appuis. Qui a l'aidé à etzot gdela emuna. Par grâce à ces conseils, la emuna, elle va grandir. Grâce à ces conseils qui sont des mitzvot, ça va faire grandir la Emouna chez Ouikar Akol. Que la Emouna, c'est le principal de tout. Alors, Bet, Rabbi Nathan, il dit, Nimtsa, Shetzichim, Beshavuot, Lartor, Ula, Galot, Amaim, Amokim. On a besoin, Shavuot, de chercher, de révéler ces eaux profondes. Shema, Etzot, Prinat, Kaliuta, Torah. Qui sont les conseils qui incluent toute la Torah. Tariag, Etin, 613 conseils. Kedele, Galot, Emouna, pour révéler la Emouna. Velazet, Shetzichim, Ishtvunot. On a besoin pour ça d'un homme qui est la force de déduction chez Metzartseach, Nishmato, Aledam, Shachat, Ochniot, Elokut, Letzor, Tzitzumim, que lui, il fait briller son âme grâce au fait qu'il amène de la divinité dans les objets, dans les choses de ce monde. Desé, Nimshar, Parnassa, et ça amène de la Parnassa. Chez Desé, Metzartseach, Nishmato, grâce à ça, le tzaddik, quand il mange, il fait briller son âme. Chez Desé, Echolim, Lartora, Maïm, Anal, Shemem, Gdela, Emouna. Grâce à ça, on peut trouver les eaux qui vont faire grandir la Emouna. Zeprinat Omer Seorim Osfirat Omer. C'est pour ça que maintenant, on fait le nian de la berge, de la gerbe, pardon, d'orge, et Osfirat Omer, et on compte le Omer, Shua Hanal Shavuot, que c'est une préparation pour Shavuot. Donc on prend une gerbe d'orge, ça c'est le début de Osfirat Omer. Après on va compter 49 jours du Omer. Pour sortir, on compte 49 jours pour pouvoir sortir de la Touma d'Égypte et rentrer dans la Torah. Parce que toute la Touma de l'Égypte, c'est quoi? C'est la croyance dans des bêtises de ce monde. C'est-à-dire quelqu'un qui croit dans les astres, quelqu'un qui croit dans la sorcellerie, quelqu'un qui croit dans la médecine, quelqu'un qui croit dans les mathématiques, quelqu'un qui croit dans les prévisions météorologiques. Toutes ces croyances-là, l'homme, il croit que c'est rien du tout. Quelqu'un, il croit dans la météo. Il dit, bon, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a?
Mais tu vois, ils ont raison. Des fois, la plupart du temps, ils ont raison. Il ne faut pas croire là-dedans. Parce qu'on a un potentiel de émouna. Il ne faut pas croire que notre émouna, elle est inépuisable. Il ne faut pas l'utiliser pour des bêtises. Pas la peine de croire là-dedans. On n'a pas besoin de croire dans la météo. Tu as besoin de croire dans la météo. Crois dans Hachem, ne crois pas dans la météo. Crois dans celui qui fait la météo. Celui qui décide la météo. Toi, tu peux prier, la météo, elle va changer. Tu dis, Hachem, maintenant, on veut que l'hiver, il commence, qu'il y ait de la pluie pour l'âme Israël. Toi, on a besoin de la pluie. Alors, Hachem, il va envoyer la pluie. Maintenant, la météo, elle ne sait pas que toi, tu as prié. D'où elle sait la météo que tu as prié? Elle ne sait pas. Maintenant, apparemment, comme ça, quand tu regardes le ciel, il n'y a pas de nuages. Dans la météo, elle va te dire journée d'éclaircie. Et d'un coup, les nuages, ils arrivent, il se met à pleuvoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem ou Elohim, le Teva, c'est Hachem. Il n'y a pas de Teva. Hachem, il fait du monde ce qu'il veut. Si on demande à Hachem de changer le monde, il le change. Donc, il faut arrêter de croire dans des choses qui ne sont pas des choses qui sont intéressantes. Il n'y a pas de suite. Quand quelqu'un croit dans ces choses-là, il n'y a pas de suite, c'est des choses qui vont tomber. Ce n'est pas des choses qui vont donner quoi que ce soit. Hachem, il te met en garde, ne crois pas dans des idoles, parce que ces idoles-là, comme Avraham Avinu l'a dit à son père, quand il a cassé les idoles, alors son père lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ils se sont disputés. Alors son père lui dit, mais elles ne peuvent pas se disputer les idoles, ils ne bougent pas. Il lui dit, alors pourquoi tu crois dans les idoles? Si toi-même tu sais qu'ils ne peuvent rien faire, pourquoi tu crois là-dedans? Pourquoi tu as mis ta émouna là-dedans? Mais là, émouna dans Hachem, que c'est lui qui fait la nature, qui fait ce monde. Donc maintenant, en Égypte, c'était des spécialistes des émounot kosviot, c'est-à-dire c'était des spécialistes pour baser la vie sur la confiance dans des éléments, que ces éléments-là, ils ne peuvent rien faire pour toi. La plupart des gens, ils basent leur vie sur des choses qui tiennent pas elles-mêmes. Donc quand ces choses-là, elles tombent, après les gens, ils sont complètement perdus. Ils basent sur la famille, ils basent sur la parnassa, ils basent sur les médecins, sur la mutuelle, sur le gouvernement, sur la mairie, sur ça, sur ça, sur ça. Et à la fin, quand tout ça s'écroule, alors qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien du tout. Le Ben Adam, il est perdu complètement. Hachem, il te dit, sors d'Égypte, c'est-à-dire sors de ces croyances-là qui ne sont pas valables. Chez Ikaratouma, Vazouama, Prinazouama, Tanachash. Que ça, c'est l'Ikar de l'impureté. Qui est le poison du serpent, qui Mitzrayim haitam le agilulim v'avodazara, parce que l'Égypte elle était pleine d'idolâtrie. Comme Shamar Paro, mi Hashem, l'audace est Hashem. Paro il a dit, qui c'est Hashem? Moi je ne connais pas Hashem. Quelle audace de dire ça, moi je ne connais pas Hashem. Mais c'est lui le créateur du monde, c'est lui qui t'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dis que tu ne connais pas Hashem? Veka et siat Mitzrayim v'kavalat Torah az bedoro shel Moshe, aya az yesiat Mitzrayim mamash. Et le Icar de la sortie d'Égypte, et du fait qu'on a reçu la Torah, c'était dans la génération de Moshe Rabbeinu que c'était Mamash Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire que ça a été Mamash un mouvement de sortir Mamash de l'étroitesse, de sortir de ce pays qui s'appelle l'étroitesse. Jusqu'à aujourd'hui, il a gardé le même nom, mais il n'a pas changé, il s'appelle toujours l'étroitesse. Ça n'a jamais changé le nom de l'Égypte, c'est resté toujours le même nom, c'est la même nation. Mais avant, ils étaient beaucoup plus sophistiqués que ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des peuples qui se sont complètement... qui sont noyés. Il ne reste rien du tout, pratiquement. Mais à l'époque, c'était eux les maîtres du monde. Ils avaient la science, les mathématiques, la médecine. Tout, c'était chez eux. L'astrologie, les mathématiques, la médecine, la sorcellerie. Tout ça, c'était en Égypte. Ils étaient forts dans tous ces domaines-là. Et nous, à un moment, on est sortis de là-bas, mamash. Sortis physiquement de là-bas. Maintenant, nous, on parle de chacun sortir spirituellement de son Égypte. Mais il y a eu un moment où ça crée un mouvement mamash physique, qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, mamash. Et chen bechol dor vador, shenimshach al Israël, prinata arazo. Pour ça, dans chaque génération, il y a cette lumière qui vient sur le Ham Israël. Bechol shana veshana, be pesach veshavuot. Chaque année, à pesach et à shavuot. Aïkar ou Mashiyotzi mitumat Mitzrayim. Le Ikar, c'est qu'on sort de la Touma de l'Égypte. Daïnu Shiyotzi mikfirot vemunot kosviot. Qu'on sort de l'hérésie et de la confiance qui est fausse. C'est-à-dire qu'on a placé notre confiance dans des éléments qui sont faux. Shilim Shachim Zouan Tanachash. Qui viennent mamash de la morsure du serpent. Shilim Shach Alidechet Adam Arishon. Qui vient de la faute du premier homme.
que ça c'était l'Ikar de la galoute de l'Égypte, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Pourquoi on est descendu en Égypte? Pour détruire ce poison-là qui est du serpent. Velizkot latset misham, d'avoir le mérite de sortir d'Égypte, c'est-à-dire de sortir de cet empoisonnement mental qui est de croire dans les valeurs de la matière. Dainu latset mikfirot vemunot kosviot, c'est-à-dire sortir de l'hérésie et des confiances qui sont fausses. Velizkot lemunak dosha vashemit barah, d'avoir le mérite de rentrer dans la Emouna sainte dans Kadosh Baruch Hu, chez Ikar Akdusha, et ça c'est l'Ikar de l'Akdusha, Ikar Kabbalat HaTorah B'Shavuot, ça c'est l'Ikar de le fait qu'on reçoit la Torah à Shavuot, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un il va attendre la sortie d'Égypte, il va sortir à Shavuot, il va recevoir la Torah. Quand quelqu'un sort d'Égypte, alors après il reçoit la Torah. Bon, quelqu'un m'a raconté aujourd'hui, il n'avait pas pour Shabbat, il ne savait pas comment il allait faire. Il a été au Kotel pour prier. Et quand il était au Kotel, un monsieur lui a dit, voilà, je dois faire la coupe de cheveux de mon fils. Et tu peux m'expliquer qu'est-ce que je dois faire, des brachot, etc. Alors il est venu s'occuper de lui. Il dit, voilà, vous faites comme ci, comme ça, etc. Alors quand il a fini, le monsieur, il a commencé à sortir des billets de 200 shekels. Il lui a donné 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il lui a dit, mais arrêtez, arrêtez. Il lui a dit, pourquoi? Attends, je te... Non, je veux plus. Il ne voulait plus prendre. Il était trop subjugué. Il a dit, mais attendez, arrêtez. Alors, il lui a donné 1000 shekels. Il voulait lui donner encore. Il a dit, non, je veux plus. Après, il y a son père de ce monsieur qui était là, est venu lui a donné lui aussi 100 dollars. Il a dit, voilà, prenez 100 dollars. Qu'est-ce que... Hachem, il peut te donner tout ce que tu as besoin. Hachem, c'est lui qui donne de l'argent à ton patron. Ton patron, il ne trouve pas l'argent sous son oreiller. C'est Hachem qui lui donne son argent à ton patron. Et au patron de ton patron aussi, c'est lui qui lui donne son argent. Et à tous les patrons du monde, c'est Hachem qui leur donne leur argent. Donc maintenant, lui qui le donne à ton patron, il peut te le donner à toi directement. Sans problème. Il n'y a aucun problème, c'est rien qu'une question d'émouna, c'est tout. Mais Hachem, il peut te donner tout ce que tu as besoin, sans que tu bouges de chez toi. Hachem, il peut t'amener tout ce que tu as besoin chez toi, à la maison. La Torah que tu as besoin, la Parnassa que tu as besoin, tout ce que tu as besoin, ça peut venir chez toi. Tu n'as pas besoin de rien du tout, que de la émouna, c'est tout. Maintenant, tant que tu as placé ta émouna dans d'autres éléments, alors tu peux pas avoir cette attitude-là. Il y a déjà... Voilà, le rabbi vous a dit qu'il faut travailler 8 heures par jour. Parce qu'il a vu que je suis dans la Touma. Je suis un Égyptien. Ah, comment on va savoir alors? Ouais, ben, c'est pas difficile de savoir. C'est pas difficile de savoir combien on est enfoui dans l'Égypte. Tu vois quels sont nos réflexes, combien on a peur, combien on est insécurisé, etc. De chaque chose, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille sur la sécurité, on n'est pas tranquille sur la santé, on n'est pas tranquille sur la parnassa, on n'est tranquille sur rien. Alors c'est ce manque de tranquillité, ça traduit, c'est ça qui traduit qu'il y a un manque d'émouna. Quelqu'un qui a de la émouna, il est tranquille, il se fait pas de soucis, il est une créature d'Hachem, il est content, c'est tout. N'importe comment que ça soit, il est content. Si Hachem il veut que ça soit comme ça, c'est bien, s'il veut que ça soit comme ça, c'est bien, tout est bien. C'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Il n'a pas ce problème-là de Mais quelqu'un qui sort d'Égypte, qui n'a pas eu encore Kabbalat HaTorah, Béhémet, qu'est-ce qu'il va commencer à faire, à étudier et tout? Il y a des gens qui disent, voilà, Rabbi Nachman, il a dit, il ne faut pas aller chez le docteur. Mais la personne, c'est un Égyptien. Donc, pourquoi il ne va pas aller chez le docteur? Pas aller chez le docteur, ça parle d'un juif, d'un Ish Israéli, d'un homme qui a de la Emouna. Rabbi Nathan, il n'allait pas chez le docteur. Mais Rabbi Nathan, c'était un homme qui avait Emouna dans Hachem. Il vivait qu'avec la prière. C'est pas rien que chez le docteur qu'il a réparé Rabbi Nathan. Tout ce qu'il faisait Rabbi Nathan, il faisait rien qu'avec la tefila. Quand il a eu les gens, les mitnagdim qui voulaient le tuer, Rabbi Nathan, bien que d'après le Shulchan Aruch, c'est écrit, celui qui veut te tuer, il y a une mitzvah de te lever avant lui et de le tuer, c'est-à-dire de réagir contre lui parce que tu sais qu'il veut te tuer. Et Rabbi Nathan, il avait des élèves qui étaient proches du tsar et qui lui ont dit, écoutez, laissez-nous faire, on va aller juste, ces gens-là qui vous veulent du mal, on va les sortir de l'Ukraine, on va les faire expulser du pays, c'est tout, sans leur faire de mal, rien du tout. Rabbi Nathan a dit, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je n'ai pas appris ça de Rabbeinu, j'ai appris de Rabbeinu rien que la tefila, c'est tout. Tout, je veux le faire avec la tefila. Je ne veux rien faire avec de la manipulation des objets. Je veux faire tout avec la prière, tout avec la Emouna. Mais ça, c'est Rabbi Nathan. Qui est-ce qui est à ce niveau-là?
c'est un très grand niveau. C'est pas, il ne faut pas croire que c'est un petit niveau. Rabbi Nathan, c'était un tzaddik. De lui-même, c'était un tzaddik. Avant d'être Breslev, il était un tzaddik. Et après, il est devenu Breslev. Après, c'est devenu un tzaddik moufla méod. C'est devenu un des plus grands tzaddikim qu'il y a jamais eu dans le monde. C'était pas un Ben Adam Pachout. Et les gens, ils veulent faire comme lui. Il dit, ah, moi aussi, je vais faire ça. Comme le frère d'Abraham Avinu. Il a vu qu'Abraham Avinu marchait dans le feu. Il dit, ah, moi aussi, je vais faire ça. Alors, il est venu, il a marché dans le feu, il a brûlé. C'est tout. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut plus avoir d'odeur d'Égyptien sur soi pour faire ça. Tu peux pas t'engager dans des choses avec. Souvent, les gens, ils ont pas envie de se fatiguer. Alors, ils rentrent dans la Emouna. Il y a des gens, ils ont peur d'aller chez le médecin. Alors, de dire qu'ils ont peur d'aller chez le médecin, ils disent non, Hachem, il va me guérir. Moi, j'ai pas besoin de ces médecins-là, etc. Et pourquoi? Parce qu'il a peur d'aller chez le médecin. C'est pas parce qu'il a la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose de très grand. Il ne faut pas croire qu'on arrive comme ça à la Emouna. Pour récupérer toutes les billes qu'on a mis un peu partout, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de prières, beaucoup de patience pour récupérer notre Emouna. De toute façon, tu n'as pas besoin de savoir, parce que la Emouna, c'est-à-dire que c'est à l'envers que ça marche. Par exemple, tu peux poser une question, tu vas dire à quelqu'un, tu vas demander à un Rav, comment je vais savoir, voilà, c'est écrit dans la Torah, que celui qui a la Emouna, il n'a pas besoin de travailler. Hachem lui donne sa part à ça. Comment je vais savoir que je suis arrivé à ça? Pour arrêter de travailler, pour étudier toute la journée. Comment je vais le savoir? Alors, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est à l'envers. C'est-à-dire, quand ta part à ça, elle va venir, sans que tu fasses rien du tout, tu vas t'arrêter de faire, parce que tu vois que tu n'as plus besoin de faire. Parce que ta part à ça, elle vient, maintenant. Et toi, ce n'est pas de ce que tu fais qu'elle vient, ta part à ça. Donc, tu vas arrêter de travailler, puisque tu as de quoi vivre, tu n'as pas besoin de travailler. C'est à l'envers que ça marche. C'est pas que toi, tu vas aller vers la chose. C'est que la chose, elle va venir vers toi. La Emouna, c'est que la chose, elle vient vers toi. Toi-même, tu vas être dans un niveau où tu vas vivre déjà cette chose-là. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu la manne, ils ont eu le BR, ils ont eu la Nekavod, ils ont eu toutes ces choses-là, qui sont tous des éléments qui sont venus les aider sur leur chemin vers Israël. Mais ces éléments-là, ils sont venus vers eux. Ce n'est pas qu'ils ont dit, on va porter l'habit qu'on a, il faut avoir la Emouna, qu'il faut faire des efforts, on va garder le même habit, on va faire attention, etc. Non, c'est qu'Hachem, il leur a dit, voilà, vos habits ne vont pas s'abîmer. Vous n'avez pas besoin de travailler, je vais vous faire descendre la manne. Mais quand la manne, elle va descendre, tu ne vas pas aller cuisiner, la manne, elle est là, elle est descendue. Donc tu vas aller prendre la manne, c'est tout. C'est pas que tu vas poser la question quand est-ce que je vais être apte à recevoir la manne, quel jour je vais savoir que je suis apte, ben quand tu vas la recevoir, c'est tout. Le jour où tu vas voir que tu as de la manne, alors tu vas comprendre, tu n'as plus besoin de cuisiner, tu n'as plus besoin d'aller faire un marché, parce que la manne, elle est là, elle va venir, la manne. C'est pas toi qui doit créer le contexte. Toi, tu dois développer ta Emouna. Quand maintenant tu vas arriver à un niveau d'Emouna, la situation va se présenter à toi comme une situation d'Emouna. Donc automatiquement tu vas laisser l'autre. C'est quelque chose que tu vas déduire tout de suite, tu vas comprendre tout de suite qu'on t'a changé de place. Tu vas voir tout de suite qu'on t'a amené, on t'a muté dans un autre endroit. Et donc dans cet endroit-là, il n'y a plus toutes ces choses-là. Tu comprends, c'est pas comme les gens, ils croient qu'ils vont forcer la porte. Tu peux rien forcer du tout. Ça sert à rien de forcer, parce que tu vas forcer, mais tu es dehors. Donc ça sert. Ça sert à rien de forcer. Quelqu'un, il va forcer, il va dire, non, moi il n'est pas question, je ne vais pas me faire attraper, moi je vais étudier la Torah toute la journée, et tout, moi je ne vais pas rentrer dans le truc de par l'assin, tout ça. Moi je fais ce que j'ai à faire, Hachem et Azor, que je me trouve à aider, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Toi, tu commences par être un Égyptien, parce que tu es un Égyptien. Tu comprends? Tu travailles comme c'est un Égyptien. Et à un moment, mon cher Abenou va te dire, il vient, il te dit, allez, on s'en va. Ça va être marrant. C'est clair. T'as pas de soucis à te faire. Tu vas le voir clairement. Que tu as changé dans ta vie. Quand il travaille 8 heures, on va venir, on va dire, bon, là, maintenant, t'as un autre travail à 6 heures par jour. Il a prié et il a augmenté. Ouais, notre travail de 6 heures ou de 3 heures, ou même plus de travail du tout. Il va recevoir quelque chose.
quelqu'un, il veut lui donner une certaine somme, il va y avoir... Hachem, il peut te donner tout. Hachem, il veut te donner. Ne crois pas qu'Hachem, il ne veut pas te donner. Tu crois qu'Hachem, il est content que tu travailles 8 heures par jour. Tu crois qu'Hachem, il n'a pas de la peine de ça. Hachem, il ne veut pas que tu travailles 8 heures par jour. Mais Hachem, il veut que tu grandisses. Hachem, il veut que tu grandisses. Donc maintenant, il te met dans l'endroit où tu vas grandir, c'est tout. Maintenant, tu vas rentrer dans le monde de la Parnassa. Tu vas travailler sur un modèle réduit de Emouna. C'est-à-dire, est-ce que je vais voler, est-ce que je vais mentir, est-ce que je vais forcer la main à quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais changer ma parole, comme Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, celui qui change sa parole, c'est quelqu'un qui fait Avodah Zara, ça s'appelle Avodah Zara, quelqu'un qui a dit, voilà, il a mis quelque chose en vente, un bien, par exemple, il a dit, je veux le vendre 100 000 $, et après, au moment de la vente, après, il dit, ah non, je veux augmenter de 10 000 $, Ça s'appelle de la Avodah Zara. On n'a pas le droit de faire ça. Si tu as dit quelque chose, tu t'es engagé, il faut respecter ce que tu as dit. Maintenant, pourquoi quelqu'un il augmente? Parce qu'il n'a pas d'émouna, c'est tout. Si quelqu'un il a la émouna, alors ça y est, il va pas, il a dit un prix, ça y est, il va entrer en accord avec son prix. Hachem, il va te créer un monde réduit, un petit monde, tout petit, dans lequel tu vas commencer à t'entraîner, t'éduquer dans les éléments. C'est ça la salle d'attente, c'est-à-dire que tu vas tourner en modèle réduit, tout en modèle réduit. Et après, tu vas grandir petit à petit. Tu vas être honnête, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas tricher, etc. Tu vas commencer ça c'est la émouna. On dit que Massa ou Matan be émouna, quelqu'un fait son commerce dans la émouna. Alors si la émouna c'est de ne pas faire de Massa ou Matan bichlal, c'est-à-dire à quelqu'un, tu as la émouna, ne travaille pas du tout, c'est encore mieux. Elle dit, mais c'est pas comme ça. Elle dit, travaille pas du tout, c'est pas ça la émouna. La émouna, c'est que je commence. La émouna, ça veut dire là où je suis maintenant, je commence à être ma'amin b'Hachem. C'est-à-dire, je commence à récupérer mes billes. C'est-à-dire, récupérer mes billes de confiance. Avant, j'avais mis ma confiance dans le commerce. Donc, je me suis dit, si je suis fort dans le commerce, je gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si j'arrive à rouler les gens, un truc qui vaut 1 000, je le vends 100 000, et tout, je vais gagner plein d'argent. Et si j'ai trouvé un client, même je me suis engagé avec un autre à lui vendre, mais je trouve un nouveau client qui me donne 20% en plus, je vais lui vendre à lui, etc. Alors l'homme, il trafique. Pourquoi? Parce qu'il a passé sa émouna là-dedans, il croit que c'est avec ça qu'il va réussir sa vie. Mais après, quand il commence à lever le pied un petit peu, à récupérer sa émouna, à la sortir de là, c'est-à-dire à dire non, il ne faut pas travailler comme ça. Il faut travailler avec de la émouna. C'est-à-dire travailler avec de la émouna. Ça veut dire qu'il faut respecter les lois de la Torah quand je travaille. Il faut que je respecte et je n'ai pas le droit de mentir, je n'ai pas le droit de tricher, je n'ai pas le droit de faire de rouler mon prochain, etc. Je dois appliquer les lois de la Torah dans mon travail. Quand il va appliquer les lois de la Torah, qu'est-ce que c'est les lois de la Torah? On en dit c'est des conseils pour sortir la personne, pour lui faire récupérer sa émouna. C'est ça le conseil. Donc maintenant tu vas commencer un conseil, à travailler avec ces conseils en modèle réduit. Tu vas commencer à travailler tu vas t'entraîner sur des petites choses qui s'appellent la parnassa, les médecins, les médicaments, les trucs, etc. Tout ce qui est teva, tu vas commencer à travailler en modèle réduit. Et après, petit à petit, le modèle il va grandir. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans des épreuves qui sont plus grandes. Dans les épreuves plus grandes, tu vas réussir des examens, tu vas monter de cran dans les émouna. À chaque fois, tu vas gagner dans les émouna. Tu vas avoir plus de émouna. Tu vas avoir plus de émouna. Voilà maintenant celui que je vous ai raconté aujourd'hui. Le gars, il n'a pas pour Shabbat. Un père de famille, il a 5 ou 6 enfants. Il n'a pas pour Shabbat. Il travaille et tout, mais il n'a pas. Il a payé son loyer et tout, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il a été au Kotel. Pas pour ça, il a été au Kotel parce qu'il va au Kotel, c'est tout. Maintenant, quelqu'un vient, lui donne. Et il commence à lui donner 200, 400, 600, 800, 1000 shekels. Il dit arrêtez, truc et tout. Ça y est, ça suffit, etc. Puis l'autre, il dit quoi? Ça suffit, tiens, voilà, encore 100 $. Et lui, il n'a rien demandé à personne. Et ce n'est pas quelqu'un, quand tu le vois, qu'il a l'air d'avoir besoin. Maintenant, Hachem, il lui dit quoi? Il lui dit, tu ne fais pas de soucis, je suis là, mon ami. Toi, tu travailles, tu as fait ton travail, etc. Mais tu es chômeur Shabbat. Tu payes l'école de tes enfants, tu fais ça, tu fais attention à la cache-route et tout. Moi aussi, je suis là, je ne vais pas te laisser.
Donc voilà, je vais t'envoyer quelqu'un, il va te donner combien tu as besoin. Je peux te donner beaucoup, ce n'est pas un problème pour Hachem. C'est pas un problème pour Hachem. Moi, je connaissais Nachman Roussicher, la Machalom, et m'a dit, des fois, il y a des gens qui lui donnaient des enveloppes de 50 000 dollars au Kotel. Il a acheté des maisons pour ses enfants. Plusieurs fois, il a reçu des sommes énormes. Des gens qu'il ne connaissait pas, il ne demandait rien à personne. Il était assis, il faisait des beaux des doutes, et lim et tout. Quand il voyait quelqu'un un peu comme ça, qui cherchait un peu, il lui donnait un petit coup de la liste. Mais il a reçu au Kotel des enveloppes, il a reçu des centaines de milliers de dollars. Assis au Kotel, il ne faisait rien du tout, il ne demandait rien à personne. Peut-être ces gens-là qui lui ont donné cet argent, ils n'existent même pas. Ils n'ont pas besoin d'exister. Ça peut être des figurants, ça peut être ils peuvent être fictifs, ils peuvent exister pour une demi-heure. On ne sait pas. Mais maintenant, tu ne peux pas te lancer là-dedans. Tu comprends? Ce n'est pas un jeu. Parce que tu peux aller au Kotel, tu peux t'asseoir, tu vas recevoir peut-être des coups. Ce n'est pas de l'argent que tu vas recevoir. Tu peux venir, il va te frapper. Tu ne sais pas qu'est-ce qui... Il faut que tu te mettes à ta place. Tu commences par le commencement. C'est tout. Commencement, la moyenne. Voilà, écoutez, moi je viens de là où je viens. Nous, on a l'habitude de travailler, de faire ça, etc. C'est de là où on vient. Ok, on commence avec ça. Maintenant, dans ce que tu fais, tu vas respecter maintenant la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est des conseils pour te faire remonter. C'est-à-dire que maintenant, là où tu es descendu, c'est-à-dire ta émouna, tu l'as placée dans des choses. Les gens, quand tu leur dis, par exemple, tu dis à quelqu'un, je vais aller à Kiev pour faire des affaires. Et tu dis, chapeau, hein, extraordinaire, et tout. Même s'il n'y a pas de chapeau, tiens, tu ne quittes pas, mais il te dit quand même, extraordinaire, chapeau et tout, tu vas quand même prendre des risques, tu vas jusqu'en Russie pour faire du commerce et tout. Kolakavod, mamash kolakavod, c'est extraordinaire. Tu lui dis maintenant je vais aller à Kiev parce que je vais aller prier là-bas chez quelqu'un. Aouman lui dit, tu es fou, tu ne te manques pas des endroits pour prier ici. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il fait froid, ils sont fous ces gens. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Non, ça y est, tout de suite ça change. Pourquoi? Parce que dans la parnassa, les gens y croient. Mais dans la prière, les gens ne croient pas. Dans les sadikim, les gens ne croient pas. Mais ils croient dans l'argent, dans la parnassa. Quand tu dis à quelqu'un, il est parti en Russie pour faire du commerce, c'est kadosh, c'est macho, c'est un grand commerçant, il voyage, il va là-bas. Ça, c'est quelque chose d'une valeur dans le monde. Mais tu dis, quelqu'un, il a voyagé pour aller prier, il dit, mais il est fou, regarde combien d'argent il dépense pour aller prier, mais il est fou. Il a où prier ici à côté de la maison, il va jusque là-bas, mais il est fou. Parce que les gens, ils n'ont pas la émouna. Pourquoi ils n'ont pas la émouna? Ils l'ont perdu. Où ils l'ont perdu? Ils l'ont perdu dans les trous où ils l'ont mise. C'est-à-dire, ils ont une confiance dans les médecins, ils ont une confiance dans les patrons, ils ont une confiance dans leur capacité, ils ont une confiance dans le gouvernement, dans les choses, etc. Maintenant, leur confiance, leur potentiel d'émouna, il est là-bas. Maintenant, il faut le ressortir. Comment tu vas le ressortir? D'un coup? Tu ne peux pas le ressortir d'un coup. Il faut petit à petit. Petit à petit, tu vas récupérer. Mais sache que le jour où tu seras sorti de là, tu vas le voir clairement. C'est pas quelque chose qui va te... C'est pas quelque chose que tu vas te poser des questions. Quand tu te poses des questions, ça veut dire que tu y es pas. Le jour où tu vas y être, tu auras pas de questions du tout. C'est pas que tu dois demander, mais comment je vais faire, etc. pour entrer là-dedans, dans la Emouna, etc. Tu n'as pas besoin de te demander comment tu vas faire. Parce que le moment où la chose elle va se faire, tu vas le voir toi-même. Et à ce moment-là, tu vas sortir d'Égypte. Sur ce domaine-là, sur ce domaine-là, sur ce domaine-là, sur ce domaine-là. C'est dans chaque chose où tu t'es investi. C'est-à-dire chaque chose où tu as investi ta émouna, tu vas la récupérer. Quand tu vas la récupérer, ta vie, elle va changer. Quand ta vie, elle va changer, tu n'as pas de question, tu vas te rendre compte. Parce que les gens, quand ils ont une émouna avec le cerveau, je crois que c'est la émouna, mais ce n'est pas juste de la émouna, c'est de l'intellect, ce n'est pas de la émouna. Il te dit ici que la émouna, elle est dans la profondeur du cœur, mais au mka de liba, dans la amkout du cœur. C'est là-bas où elle est la émouna. La émouna n'est pas dans le cerveau, ce n'est pas un calcul. Alors quelqu'un dit, ah non, moi je n'ai pas envie de travailler, moi je veux étudier la Torah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais aller perdre mon temps à travailler, etc. Mais lui, il ne va pas récupérer sa émouna. Maintenant, s'il ne récupère pas sa émouna, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, il va avoir des comportements qui ne sont pas très, très clairs. C'est normal parce qu'il n'a pas d'émouna. Et il est rentré dans un domaine
où on fonctionne là-bas que avec la Emouna. Comment il va faire? Il n'en a pas. Comment il va faire? Il n'a pas d'Emouna, il est rentré dans un monde où on ne peut fonctionner qu'avec la Emouna. Ah, il va devenir un bandit, c'est tout ce qu'il peut faire. Il va devenir un bandit, il n'a pas le choix. Parce que là où il est, et lui il n'a pas d'Emouna, et là-bas ça ne marche qu'avec la Emouna. Comme le Erev Rav. Le Erev Rav, il est sorti d'Égypte. Mon cher Rabbeinu l'a dit, mais on ne peut pas les laisser, ces pauvres Égyptiens, ces intellectuels d'Égypte et tout. Voilà, ils veulent venir avec nous et tout. Hachem, il lui a dit, laisse-les tranquilles, etc. Ce n'est pas le moment. Mon cher Rabbeinu l'a dit, non, c'est quand même, c'est des gens, ils veulent venir avec nous et tout. On va les prendre. Alors, il les a pris. Maintenant, ces gens-là, c'est eux qui ont fait faire le veau d'or au Ham Israël. C'est eux qui ont fait à chaque fois le Ham Israël quand il a fauté, c'est ces gens-là qui les ont fait fauter. Pourquoi le Ham Israël n'est pas rentré en Eretz Israël? C'est à cause de ces gens-là qu'il n'est pas rentré. Parce que ces gens-là, ce n'est pas qu'ils étaient méchants, ce n'est pas qu'ils étaient mauvais, ils n'étaient pas prêts, c'est tout. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est le pire de tout. Il vaut mieux un type qui est prêt et qui est mauvais, méchant, tout ce que tu veux, mais il est prêt. Alors maintenant, c'est vrai que tu dois t'arranger avec sa méchanceté, etc. Mais il est prêt. C'est-à-dire qu'il vit ce qu'il est à sa place, le gars. Mais quelqu'un qui n'est pas à sa place, il n'y a rien de pire que ça. Même s'il est gentil et tout ce que tu veux, mais il n'est pas à sa place. Du moment où il n'est pas à sa place, c'est un danger public. Parce qu'il peut faire n'importe quoi. C'est un danger, le gars. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as dit de te mettre là-dedans? Ça n'était pas à ta place. Mets-toi à ta place. Ta place, c'est quoi? Si tu commences par le commencement. Quelqu'un il veut commencer à travailler, il veut être directeur de la banque. Il dit, mais il ne peut pas être directeur de la banque. Commence par le commencement. Tu vas arriver. Regarde les directeurs de la banque. Ils ont tous les cheveux blancs. Ce n'est pas des gens qui sont jeunes. Et ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose, c'est tout. Tu veux rentrer dans la Emouna. Mais qui tu es pour rentrer dans la Emouna? Tu as vécu en Égypte, tu as cru dans l'Égypte. Tu étais un militant de l'Égypte. Tu vas rentrer dans la Emouna. Attends. Les athlètes, attends. Commence d'abord à t'entraîner sur Elohim. À chaque fois, tu vas dire Hachem ou Elohim. Teva, c'est Hachem. À ton niveau déjà. Commence par des choses que tu mets, que ces choses-là, tu les domines toi-même. Tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas tricher, tu vas respecter les gens. Tu vas commencer à faire des choses qui sont que la Torah elle te donne des conseils pour récupérer ta Emouna. Alors commence maintenant à ton niveau à récupérer la Emouna. Une fois que tu vas la récupérer à ce niveau-là, après on va passer à un autre niveau. Et après encore un autre niveau. Et après tu peux arriver peut-être un jour dans ta vie, arriver au niveau de Rabbi Nathan, que tu deviens mamash, un ma'amin, un juif ma'amin dans Hachem. Mais c'est un très très grand niveau. Ce n'est pas un petit niveau. C'est un très grand niveau. On ne peut pas copier ça. Un débutant ne peut pas copier ça. Parce que s'il copie ça, c'est un danger public, le gars. Le gars, il sort d'Égypte et il veut exiger. C'est un Égyptien, il n'est pas sorti d'Égypte encore. Il est sorti d'Égypte, ça va. Mais c'est un Égyptien. Il a peur de ça, il a peur de ci, il a peur de... Alors maintenant, va travailler et fais, gagne ta parnassa et sois tranquille et nourris ta famille, fais ton budget, etc. Et tout ça, ça s'appelle la Emouna. Fais-le proprement, fais-le correctement. Fais-le comme la Torah te demande de le faire. Et petit à petit, on te remonte. C'est comme comme quelqu'un avec un hélicoptère ou une grue, on le tire. Alors à chaque fois, on le tire un petit peu. On le fait monter, monter, monter. Mais une fois qu'il va récupérer sa Emouna, tu vas voir tout de suite, la vie, elle va changer. Il n'y a pas de problème. Sors d'Égypte, tu verras. Tu vas trouver la manne, le BR, tu vas trouver tout. Tes habits, tu n'auras pas besoin de les changer, ils ne vont jamais s'abîmer. Tu verras que tu vas vivre une autre vie complètement. Mais ça, c'est une réalité. Ce n'est pas un projet dans la tête. Les gens, ils ont des projets dans la tête. Ils voient des films. Après, ils commencent à jouer le film chez lui. Il a vu un film que le monsieur criait sur sa femme. Et sa femme, elle devenait gentille. Alors, il rentre chez lui. Il commence à crier sur elle. Il voit qu'elle n'est pas gentille. Elle lui a cassé un plateau sur la tête. Il dit, mais je ne comprends pas. Dans le film, quand il a crié, elle est devenue gentille. Et moi, elle n'est pas devenue gentille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce n'est pas ta place, c'est tout. Mais toi, ta place. C'est pas parce que tu as vu un film dans ta tête que tu crois intellectuellement que la Emouna existe, que toi tu es dans la Emouna. Tu n'es pas dans la Emouna du tout. Commence à faire tes preuves. Commence à faire tes preuves à ton petit niveau. Après on verra un autre niveau, on passera à un autre niveau. Commence déjà à faire tes preuves dans des petites choses. Récupère ta Emouna.
Les gens, ils veulent rentrer entièrement dans la Torah. Mais un petit peu, il ne peut pas rentrer déjà. Qu'est-ce que tu vas rentrer beaucoup? Dans ton travail, tu lèves le téléphone, tu dis à quelqu'un, tu mens. Comment tu veux rentrer dans la Torah? Mais tu ne peux pas rentrer dans la Torah. Tu mens, comment tu vas rentrer dans la Torah? Dans la Torah, on ne ment pas. Donc, si tu mens, reste tranquille, c'est tout. Attends qu'Hachem te sorte, c'est tout. Fais des tefilot, dis à quelqu'un, regarde dans quel état je suis. Je ne suis même pas capable de ne pas mentir. Donc, regarde dans quel état je suis. C'est un Égyptien total. Comment tu veux que je fasse? Alors, j'attends que tu m'aides, c'est tout. Voilà, je prie et j'attends. J'attends. Je vais essayer une fois sur deux, je vais commencer à ne pas mentir. Je vais me retenir une fois sur deux. Après, il va se retenir complètement. Une fois qu'il va arriver à ne plus mentir dans le travail, c'est le Madriga. Le Madriga Gdola. Une fois, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Alors, tous les rabbinim, ils ont prié, ils ont organisé des tefilotes, ils ont fait des choses. Rien du tout, il n'y avait pas la pluie. Alors, il est venu le marchand de légumes. Il a dit, Hachem, si moi, une seule fois dans ma vie, je n'ai pas donné plus que le poids de légumes à quelqu'un qui a acheté chez moi, alors tu n'amènes pas la pluie. Mais si moi, jamais, j'ai donné moins que le... C'est-à-dire, toujours donné plus que le poids, alors toi aussi, fais plus et donne-nous la pluie. Et la pluie, elle est venue tout de suite. Pourtant, lui, c'était un marchand de légumes. Ce n'était pas un Talmid Chacham. Il ne connaissait pas la Torah. Il n'était pas... Mais il était à sa place, c'est tout. Là où il était, dans ses légumes, il était un Ma'amin Bachem. Là où il était, à sa place, il était Ma'amin. Alors qu'il y avait des gens qui avaient une place plus élevée, mais ils n'étaient pas à leur place. C'était des Égyptiens encore. Et ils se sont créés des postes plus élevés, ils se sont mis dans ces postes-là. Mais les Ma'asé, eux, c'est des Égyptiens. Ils doivent attendre que Hachem il les sorte de là où ils sont. Ils doivent prier, ils doivent faire des efforts pour sortir de là où ils sont. Pareil, quelqu'un il veut rentrer, il croit qu'on se projette dans le monde de la Emouna comme ça. On ne se projette pas comme ça. On ne peut pas se projeter, se jeter dans un monde auquel on est complètement étranger. C'est impossible. Les gens ils sautent dedans et disent bon, ça va s'arranger. Ça ne va pas s'arranger du tout. Tu vas voir que c'est pire. Chaque jour ça va être pire. Parce que tu n'es pas à ta place. Tu t'es mis dans une place, que cette place, ce sont des gens qui sont ma'aminim, qui sont là-bas. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu dois récupérer ta émouna, on te l'a volé, ta émouna. Tu l'as mise dans des bêtises. Maintenant, il faut que tu la récupères. Après, tu vas rentrer. Mais récupère ta émouna. Comment tu vas la récupérer? Avec les conseils de la Torah. Fais ton commerce dans l'honnêteté. Sois un homme honnête, commence à récupérer à ton niveau les éléments et après tu vas voir que tu vas arriver. Les gens ils empruntent de l'argent, ils ne le rendent pas. Il a emprunté 50 shekels à l'autre, il ne lui rend pas. Il a emprunté 10 000 shekels, il ne les rend pas. On voit 10 ans après, il ne les rend pas. Alors, Bakara, ouais, mais je ne peux pas en ce moment, je peux te dire, mais comment tu veux faire la Torah comme ça? Qu'est-ce que tu veux avoir? Tu veux avoir de la manne comme ça? Tu ne peux pas avoir de la manne, c'est impossible. C'est impossible, tu ne peux pas. Arrange déjà à un niveau primaire. Récupère ta émouna à un niveau primaire. Et après, on avance. C'est ce qu'il te dit ici, Rabbi Nathan. Tu ne peux pas sortir d'un coup d'être un Égyptien et d'Égypte, tu vas venir en Eretz Israël. Tu ne peux pas. Hachem, il les a mis 40 ans dans le désert pour entrer en Eretz Israël. Ils ont tourné, ce n'était pas la route. Hachem, il les faisait tourner dans le désert. C'était pas la route, il les a fait aller par là, revenir par là et tourner et tout. Pourquoi? Pour qu'ils se débarrassent de ce qu'ils ont emmagasiné en Égypte. Il fallait du temps, tu ne peux pas en un jour changer. Ça prend du temps. Maintenant, ce temps-là, Baruch Hashem, tu travailles honnêtement, tu as une famille, tu nourris ta famille honnêtement, truc et tout. Baruch Hashem, tu es un tzaddik, tzaddik bemunato yechie. Tu fais ton travail b'emouna, tu es un tzaddik. Il vaut mieux que tu travailles dans la emouna plutôt que tu étudies de la Torah sans emouna. Parce que si tu travailles dans la emouna, tu es un tzaddik. Si tu étudies la Torah sans emouna, tu n'es pas un tzaddik du tout. Et quel yaras il peut avoir avec l'intermédiaire? C'est-à-dire le patron ou le client?
si on a retrouvé la Emouna, alors mais tu poses la même question. Tu verras que le patron, il sera plus là, le patron. Le jour où tu auras la Emouna, il sera plus là. Moi, j'avais un associé, une fois un employé est venu à la fin du mois pour prendre son chèque. Alors l'employé, il a dit, tu sais, c'est pas toi qui me paye, hein. C'est Hachem qui me paye, c'est pas toi. Alors lui, il a pris le chéquier, il lui a dit, ok, dis-lui qu'il te fasse le chèque. Alors, il a rangé le chèque. C'est Hachem qui te paye, dis-lui qu'il te fasse le chèque. Alors après, l'autre, il est revenu, il a dit, excuse-moi, Mechila. Ok, voilà ton chèque. Le jour où maintenant, tu ne joue pas celui qui croit que c'est Hachem qui lui fait le chèque. Parce que le jour où tu vas recevoir ton chèque d'Hachem, tu ne viendras plus au travail. C'est juste ce matin-là, tu ne vas plus pointer, c'est fini, tu n'es pas fou. Tant que tu n'as pas reçu ton chèque à domicile, signé de la main d'Hachem, on reste tranquille. Et dis merci à ton patron et remercie-le qu'il te paye à temps, parce qu'il aurait pu te payer 2 semaines après aussi. Et tu lui aurais dit merci. Et même 2 mois après, tu lui aurais dit merci beaucoup, monsieur. Parce qu'il y en a d'autres, ils n'ont pas de travail, ils sont dans la rue. C'est pas le yachas par rapport à la personne, c'est que quand maintenant tu ne seras plus dans cette chose-là, tu ne vas plus y être béhémètre. Ce n'est pas un jeu, tu comprends? Ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas comment je dois considérer mon patron. Est-ce que maintenant je dois lui dire que béhémètre, ce n'est pas lui qui me donne? Non. Tu es un patron, il te paye tout le mois. Dis-lui merci beaucoup. Merci monsieur. Vous me payez à temps, que le chèque ne revient pas impayé, que le truc, que vous me payez à l'heure et tout. Merci beaucoup. Tu dois être reconnaissant parce que lui, c'est un tzimtzoum pour l'instant. C'est un tzimtzoum de la Elokout. C'est-à-dire, Hachem, il vient vers toi sous une forme réduite pour que tu puisses t'entraîner dans la Emouna. Tu comprends? Le patron, c'est une forme réduite d'Hachem. Pour que tu t'entraînes à la Emouna. Maintenant, si tu restes là, si tu en restes là, dans les rapports avec ton patron, alors tu peux rester toute ta vie comme ça. Mais si maintenant tu développes ta Emouna, de ton côté, tu essayes de faire ton travail le mieux possible, d'être le plus honnête, etc. Tu vas voir que petit à petit, les choses elles vont changer. Et après, tu verras que tu vas recevoir ta parnassa. Et un matin, tu vas plus aller au travail, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu as reçu la manne, tu as besoin d'aller au travail. Mais c'est ça qui va te faire arrêter le travail. C'est pas que tu vas arrêter le travail pour avoir la manne. Parce que même si tu arrêtes le travail, tu n'auras pas la manne. Tu comprends? Tu vas arrêter le travail, pourquoi tu vas faire? Tu vas aller braquer des gens après, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu crois que tu vas venir t'asseoir au hôtel, des gens vont venir t'amener de l'argent? Ils n'ont rien t'amené du tout. Tu vas rester comme ça, tu n'as rien. Et après, tu vas commencer à braquer des gens. Comme il y a des gens au hôtel, tu les vois, ils sont comme ça. Comme ils attendent, ils voient. Les gens, dès que quelqu'un vient, tac, celui-là, tac, tac. Alors, il a vu qu'il a donné 1 $, 10 ils viennent, tac, donne-moi, tac, tac. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils sont dans une situation qu'ils n'ont pas le niveau de vivre ça. S'ils avaient le niveau de vivre ça, ils seraient assis tranquillement en te faire des télim et tout. Pourquoi Hachem, si celui-là il doit te donner, il ne peut pas l'amener et qu'il te donne quand tu es assis, il faut que tu ailles l'agresser pour qu'il te donne. Pas besoin de ça. Reste tranquille, c'est tout. Ah, maintenant tu ne peux pas, tu dois agresser les gens. Ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Va travailler. Va travailler, n'agresse personne. Pourquoi tu as besoin d'agresser les gens? Va travailler, fais ton travail tranquillement, honnêtement, et puis c'est tout. Pourquoi tu dois agresser des gens? Tu dois agresser les gens parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas avoir d'argent aujourd'hui. Mais si tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas d'émouna. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi dans cette place-là? Tu es en train de jouer, c'est un cirque, c'est pas sérieux. Tu peux pas jouer, c'est pas quelque chose qu'on peut jouer, tu comprends? C'est pas intellectuel, la émouna. C'est une réalité. Quand Avraham Avinu rentre dans le feu, il rentre dans le feu béhémet. C'est pas que c'est pas intellectuel. Mais son frère, c'est intellectuel. Il l'a vu rentrer à lui, il a dit, moi aussi je vais rentrer. Il a brûlé. Pourquoi lui il n'est pas brûlé, l'autre il n'a pas brûlé? Parce que c'est la Emouna. Un, il est à un niveau d'Emouna.
que le feu, il le brûle pas. Et un autre, il a un niveau où le feu, il le brûle, c'est tout. Alors, il n'a pas intérêt à s'approcher du feu parce qu'il va se faire brûler. Et il pourra pas dire, moi j'ai la émouna que le feu, il brûle pas parce que j'ai vu mon frère aussi. Qui c'est mon frère? C'est mon frère, je le connais, qu'est-ce qu'il a de spécial? Non, il a quelque chose de très spécial que toi, tu n'as pas. Alors ne joue pas l'apprenti sorcier parce que tu risques de faire sauter toute la baraque. Il ne faut pas jouer l'apprenti sorcier. Chacun a sa place, c'est tout. Baruch HaShem, celui qui a trouvé la Emouna au niveau où il est, il a trouvé la Emouna, Ashrei Chelko. Il peut s'estimer heureux, il peut être content, il peut remercier HaKadosh Baruch Hu que Baruch HaShem, là où il est, là il a Emouna. Là où il est maintenant dans son niveau, c'est un marchand de légumes, c'est un épicier, c'est un ouvrier, c'est un truc, il a la Emouna. Là où il est, la Emouna. Il fait les choses honnêtement. Là où il est connecté sur HaShem. Là où il est, au niveau où il est. Maintenant, s'il doit monter plus haut, il va monter plus haut dans la Emouna. Il va récupérer la Emouna. Il va passer à autre chose. Il va récupérer encore de la Emouna. Il va passer à autre chose. Pourquoi des gens, ils habitent en Chutz Laaretz, ils n'habitent pas en Eretz Israël, des Juifs? Parce qu'ils n'ont pas la dose d'Emouna requise pour rentrer en Eretz Israël. Il faut une dose d'Emouna pour rentrer en Eretz Israël. Il faut un minimum d'Emouna pour que tu puisses rentrer en Eretz Israël. Tant que quelqu'un n'a pas cette Emouna, il ne peut pas rentrer. Ah, maintenant, comment tu vas savoir que tu as la Emouna? Eh bien, le jour où tu vas voir que tu es là, c'est tout. Le jour où tu es là, ça veut dire que tu as la Emouna. Mais tu ne peux pas forcer les choses. On ne peut rien forcer dans ce monde. Forcer, ça veut dire faire semblant. Et faire semblant, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu fais petit et vrai que grand et faux. Ça ne sert à rien. Fais un petit peu et ça, c'est vrai. Que ça soit vrai. Quelqu'un, il ne vole pas, il ne triche pas, il ne ment pas. C'est des valeurs. C'est de la Emouna. C'est de la Emouna. Quelqu'un dit, non, moi je respecte la Torah. Moi, vendredi après-midi, je ne travaille pas, c'est tout. Ah oui, mais non, je ne peux pas. J'ai besoin de préparer pour Shabbat. À telle heure, je dois arrêter, c'est tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire autrement. Et un autre, tu vas voir, il va travailler jusqu'à un quart d'heure avant Shabbat. Parce que lui, il est entièrement là-dedans. Lui, ce n'est pas qu'il attend le Shabbat. Celui qui attend que le Shabbat il finisse pour reprendre son travail. C'est pas qu'il attend de rentrer dans le Shabbat pour sortir de la semaine. Il attend de finir le Shabbat pour rentrer dans la semaine. C'est pas du tout la même attitude. Tu comprends? Il y a un autre, le vendredi, il ne travaille pas du tout. Il y a un autre, il travaille jusqu'à midi. Il travaille jusqu'à 2 heures. C'est des niveaux de Emouna. Mais il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être découragé. Là où je me trouve, c'est ma place. Le jour où Hachem il voudra me changer, il va me changer. Le jour où j'aurai la Emouna, je vais me trouver dans une autre place automatiquement. Ce n'est pas à moi à fabriquer le contexte. Le contexte, tu comprends bien que Hachem, le contexte qu'il a créé de ce monde, il l'a adapté au niveau des gens. Ce n'est pas à toi à changer le contexte. Hachem, il a créé le monde avec des éléments, par exemple, qui sont le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Toi, tu ne vas pas ajouter un élément ou trafiquer un élément, ou faire une symbiose de 2 éléments. C'est pas ton travail. C'est pas ton travail. Respecte la forme que Hachem il a mis. Respecte la forme. Hachem il a mis une forme. Respecte-la. Il y a un rythme. Il s'appelle le jour, il s'appelle la nuit. C'est un rythme. Respecte ce rythme. Dans tout, c'est comme ça. Mets-toi dans Elohim, qui est Teva, mais sache que c'est Hachem, Hachem ou Elohim. Maintenant, autant, ne crois pas que Hachem, il ne veut pas te montrer que c'est lui Elohim. Hachem, il veut te montrer que c'est lui qui fait le Teva, mais il ne peut pas te le montrer là où tu te trouves aujourd'hui. Tu n'as pas la Emouna pour qu'Hachem, il se montre à toi comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas développer ta Emouna petit à petit. Tu vas développer ta Emouna. Tu vas voir Hachem de temps en temps, il va te faire un petit appel. Ah, tu vas dire, ah, c'est extraordinaire, voilà. Maman, j'avais besoin et tout, Hachem il m'a aidé, il m'a envoyé juste quand j'avais besoin. J'ai rencontré le client là-bas, et tac, 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 ça a marché. Voilà, tu as commencé à ouvrir les yeux, tu vois un petit peu la Emouna. Mais tu ne vas pas te dire que, puisque maintenant, tu avais un rendez-vous avec un client et tu l'as rencontré dans un mariage où tu as été, et que tu as pu faire l'affaire parce que vous êtes connu au mariage, etc. De là, tu ne vas pas déduire que tu dois arrêter de travailler.
c'est trop rapide, calme-toi. Ça, c'est un appel d'Hachem qui te dit, je suis avec toi, je suis là. Tu avais rendez-vous avec ce client, tu avais besoin d'être introduit, voilà, je t'ai introduit. C'est tout, pas plus. Et maintenant, tu travailles normalement, c'est tout. Et après, tu vas avoir plus, l'appel, il va être plus grand. Les manifestations de la Emouna vont être plus grandes. Et à chaque fois, tu verras la main d'Hachem plus grande. Jusqu'à qu'un jour, Hachem, il te prend et te déplace. Il te change complètement de contexte. Quand il t'aura changé de contexte, tu lui dis merci, c'est tout. C'est, tout ce que... c'est lui qui place les gens. Ce n'est pas les gens qui se placent. Où mais comment chez l'Olam ? Hachem, c'est lui le makom du monde. Tu comprends ? Ce n'est pas l'homme qui fait le makom. Ce n'est pas l'homme qui fait l'endroit. C'est Hachem l'endroit du monde. Hachem, il se manifeste à toi selon l'endroit où tu es. Toi, reste là où tu es. Tu n'as pas besoin de sauter. Reste où tu es. Et Hachem, il va venir chez toi. T'en fais pas. Hachem, il est beaucoup plus intéressé de venir vers toi que toi, tu veux venir vers lui. Hachem, il attend beaucoup plus que tu sois prêt pour t'enrôler dans la Torah que toi, tu as envie de t'enrôler dans la Torah. Seulement, tu dois attendre, c'est tout. D'être prêt. Hachem, il ne va pas te faire rentrer dans la Torah si tu n'es pas prêt. Il ne va pas te faire rentrer dans la Emouna si tu n'es pas prêt. Pourquoi faire des rejets ? Faut bien faire après des situations où la personne elle est bloquée de tous les côtés, elle ne sait plus quoi faire. Et ça explose de partout, la famille elle explose, la santé elle explose, la dépression ça explose de partout. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il s'est mis dans une situation qu'il ne peut pas vivre, c'est tout. Il n'est pas capable de vivre cette situation. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il redescend dans quelque chose de plus simple. Qui est sa place, c'est tout. Il est à sa place, il est bien. Et là, il est attaché à Hachem, il respecte la Torah, etc. Et de là, après, il va monter jusqu'à que... Le principe, c'est de récupérer la Emouna. Ce qu'il amène ici, Rabbi Nathan, qui est Nifla, c'est que à chaque fois que tu as eu confiance dans des choses qui n'étaient pas Hachem, tu as investi ta Emouna dans des endroits. Maintenant, il faut la récupérer. Et tu ne peux pas la récupérer en plongeant dans Hachem. Ce n'est pas comme ça qu'on récupère la Emouna. La Emouna, on la récupère petit à petit, avec des épreuves, une petite épreuve. Je ne fais pas de la Shonara. Pourquoi ? Hachem, il a dit, fais pas la Shonara. Et tout. Aujourd'hui, Baruch Hachem, deux ou trois fois, j'ai eu une épreuve, pas fait la Shonara. Il fait là, Baruch Hachem, encore un petit truc là. Et chaque fois, tu récupères tes billes. Chaque fois, tu récupères ta Emouna. Tu récupères ta Emouna. Et tu grandis. Et une fois que tu vas avoir une maturité, on va te mettre tout de suite à un poste plus intéressant. Hachem, il veut te promouvoir. Mets-toi ça dans la tête, que ça soit clair. Que Hachem, il veut te promouvoir plus que toi, tu cherches la promotion. Sache-le. Parce qu'Hachem, il a besoin de toi plus que ce que toi, tu as besoin de la promotion. Lui, il a besoin de toi en tant qu'agent promoteur plus que toi, tu as besoin de cette promotion. Parce que toi, tu as besoin de cette promotion pour toi. Mais Hachem, il a besoin de ta promotion pour toute l'humanité, pour repérer le monde. Il a besoin de toi. Donc maintenant, lui, il attend que tu sois prêt pour te promouvoir. Il attend que tu saches conduire pour te donner le véhicule. Parce qu'il a besoin que tu fasses des livraisons partout. Mais si tu ne sais pas conduire, il va te donner une voiture. Mais il va, c'est cruel. Comment tu veux qu'il fasse quelque chose comme ça ? Alors tu fais doucement, tu fais grandir la Emouna, doucement. Mais c'est, tu vas doucement, mais tu vas sûrement. Tu vas voir que tu vas grandir. C'est-à-dire que ta vie, elle va changer. Tous les quelques temps, tu vas voir des changements. Ces changements, ce sont des mises à jour par rapport aux épreuves que tu as passées. Tu as passé des épreuves dans la Emouna, 10, 20, 100, 200, 500, 1000. Tac, tu as passé un examen, allez, on passe à un autre niveau. Passe à un autre niveau, encore des examens, après tu passes à un autre. Et à un moment, il y a tu vas passer dans des endroits où il y a des choses qui n'existent plus, c'est tout. Il y a des choses qui n'existent plus de ce monde, qui n'existent plus pour toi. Que ce soit le travail, que ce soit des tavotes, ou des trucs. Ça y est, tu n'as plus rien à voir avec ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une transformation qui s'est faite. Mais ça, c'est du vrai. Ça, de là, tu ne vas plus jamais retourner en arrière. C'est fini, c'est acquis pour l'éternité. Dans ce monde, dans le monde futur, dans la résurrection des morts, c'est à toi, c'est fini. Tandis que celui qui a pris, qui s'est projeté dans un truc... Ça ne sert à rien de faire les calculs, d'essayer de changer de contexte... Ça ne sert à rien les calculs. Toi, fais ce que tu as à faire là devant toi aujourd'hui. Fais ce qui est là devant toi, dans tes arba amot aujourd'hui, fais-le.
On va te changer. Quand tu vas être prêt, on va te déplacer. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Hachem, il veut te déplacer beaucoup plus que ce que toi tu veux. Ne crois pas. Beaucoup plus, parce que tu dois servir une dimension dont tu es inconscient complètement, toi, à ton niveau. C'est sûr que si tu étais conscient de ce que Hachem il attend de toi, tu aurais progressé 1000 fois plus vite que ce que tu progresses. Mais tu ne sais pas, toi. Alors tu progresses à ton niveau, c'est tout. Mais Hachem, il t'attend. Hachem, il t'attend depuis longtemps. Ce n'est pas de maintenant. Depuis, avant que tu naisses, Hachem, il t'attend déjà. C'est ce que tu vas faire. Seulement, il faut aller doucement. Et doucement parce qu'on veut construire quelque chose de vrai. On ne veut plus du faux. On ne peut pas attendre. Jusqu'où on va attendre ? C'est-à-dire, maintenant, on a besoin de quelque chose de vrai. Jusqu'à quand on va retarder la Mashiach ? Ça y est, on a besoin de choses vraies. Un peu, mais vraies, c'est tout. Ça suffit. Un petit peu, c'est bien. Rabbi nous l'a dit, un petit peu, c'est bien aussi. Mais c'est vrai. Ce n'est pas des salades. C'est vrai, c'est un petit peu, c'est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte? C'est-à-dire, tu sors dans des croyances qui sont fausses. C'est ça, faire tchouva. C'est ça, sortir d'Égypte. C'est-à-dire, tu ne crois plus dans l'argent. Tu ne crois plus dans les gens. Tu ne crois plus dans le gouvernement. Tu ne crois plus dans la politique. Tu ne crois plus dans ces choses-là. Il m'a dit quelqu'un aujourd'hui, sans kippa, sans rien. Quelqu'un, il est chômeur Shabbat et tout, mais il n'a pas de kippa. Il m'a dit, tu sais, Abraham, ici en Israël, toi, tu n'as pas connu ce que c'est Eretz Israël. Il m'a dit, moi, quand j'étais enfant, un rav, quand il parlait, tout le monde s'arrêtait. Un rav qui parlait, c'est une autorité d'Hachem. Tout le monde était irrespectueux. Ça n'existait pas qu'on n'est pas respectueux d'un rav. Et il dit que quand ils sont rentrés dans la politique, les rabbanim, il m'a dit, ils ont détruit tout le judaïsme. Tout le judaïsme, il s'est détruit. C'est fini. Qu'est-ce que tu rentres là-dedans? Qu'est-ce que tu as à faire là-dedans, toi? Hachem, il t'a sorti, toi, tu rentres, tu retournes là-dedans. Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Reste tranquille. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Les rabbanim, ils rentrent dans la politique. Alors, si les rabbanim dans la politique, les gens, où ils vont rentrer? Les petits gens, des petites gens du monde, ils vont devenir des dealers, ils vont les vendre de la drogue. Si les rabbins rentrent dans la politique, qu'est-ce que tu as laissé pour les gens pachoutes? Jusqu'où ils vont descendre après les gens? Il m'a dit, voilà, ça c'est quelqu'un qui est né en Israël et qui, lui, il a vu l'évolution. C'est quelqu'un qui a la cinquantaine, il a vu l'évolution de du monde religieux en Israël. Et il a vu ça, dès qu'ils ont commencé à faire de la politique. Et tout s'est abîmé, toute la considération des gens de Torah, tout ça s'est abîmé chez les gens, énormément abîmé. Ça a perdu le côté respectueux, le côté noblesse qu'il y avait, etc. Parce que c'est devenu la politique, tout le monde sait qu'est-ce que c'est le monde de la politique. Il n'y a pas de tzadikim dans la politique, ça n'existe pas. Le monde des politiciens, ce n'est pas le monde des tzadikim, c'est des Hachem Ishmor. Voilà un homme de la rue comme ça, Pachout. Il a vu ça, il a vu le changement chez lui de la considération des gens de la Torah. Il a vu comment ça a changé, comme il était enfant et adolescent, il respectait les gens de Torah comme si c'était des anges. Et maintenant, c'est devenu autre chose. Parce qu'ils sont rentrés dans quelque chose qui n'est pas leur monde. Ils n'avaient pas à rentrer là-dedans. Ça s'appelle Emunot Kosviot. Il ne faut pas rentrer dans des Emunot Kosviot. Nous, on sort des Emunot Kosviot. On sort des confiances qui sont fausses. On veut sortir de là où on investit notre confiance dans des choses fausses. On a cru dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. On veut récupérer cette croyance-là. On veut Béhémet la récupérer. On veut arriver un jour à croire que Hachem peut nous soigner sans médecin et sans médicaments. On veut Béhémet, mais pour l'instant, on n'y est pas. Si quelqu'un maintenant il prend pas, il va pas le médecin, il va pas chez le médecin, il prend pas de médicaments. Et s'il lui arrive quelque chose, il va donner des comptes sur ce qui lui est arrivé. Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qui est-ce qui t'a dit si tu es au niveau de faire ça? Personne t'a dit. Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était la lune du monde. Rabbi Nathan, c'est un sadique Nora. Qu'est-ce que tu vas te comparer avec lui? Rabbi Nou, il a dit, alors travaille pour arriver un jour à ne plus avoir besoin de ça. Mais quand tu n'auras plus besoin, tu vas t'en rendre compte.
זוהמת הנחה שנמשך על ידי חטא אדם הראשון, שבלפי זה היה עיקר קלות מצרים כדי לחלות את הזוהמה הזאת, ולזכות לצאת משם. דקטור מתנא, l'emprise du poison du serpent, il s'est fait là-dessus. Il s'est fait que maintenant, Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a voulu développer l'intellect. Alors maintenant, il a fait une confusion totale entre le niveau véritable de la personne et son niveau intellectuel. Il y a une confusion qui s'est faite. Parce que les gens, ils ont cru qu'en sachant des choses, alors ils étaient des choses parce qu'ils les savaient. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a appris quelque chose qu'il est devenu la chose. Savoir une chose, c'est quelque chose. Et être, on est ce qu'on est. Ça n'a pas de rapport. Quelqu'un, il a appris quelque chose. Ok, il a appris. Il sait quelque chose. Alors maintenant, il peut prier pour devenir comme ça. Il peut demander à Hachem de l'aider, de progresser, de chercher des gens qui vont l'aider, etc. Mais pas croire que parce qu'il le sait, il y est arrivé. Uniquement par le fait qu'il le sait. Ça, c'est le chet Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait passer l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant l'arbre de vie. Donc, il a tout inversé le fonctionnement du monde. Alors, tous les gens, ils sont inversés par rapport à la Torah. Les gens, ils s'engagent dans la Torah intellectuellement, mais ils ne s'engagent pas de façon véritable. Il faut s'engager avec le cœur, il faut s'engager à son niveau Béhémet. Ce n'est pas un cirque, la Torah. Quelqu'un, il doit rentrer Béhémet, c'est tout. Dans tous les domaines, pas uniquement. Maintenant, s'il n'arrive pas, personne ne lui a dit de s'engager en un jour. Va doucement, c'est tout. Mais fais du vrai, récupère la Emouna. Da'inu latset mikfirot v'emunot kosviot. Sortir de l'hérésie et des croyances qui sont fausses. V'liskot l'Emouna kdosha v'Hashem idbar. Et d'être zoché de la Emouna dans Hashem. Sheze ikar akdusha. Que c'est ça qui s'appelle akdusha. C'est de croire dans Hashem. Ikar kabbalat haTorah b'shavuot. C'est ça qui s'appelle recevoir la Torah. C'est croire dans Hashem. C'est ça recevoir la Torah. Maintenant qu'on doit récupérer la Emouna qui est tombée à cause de la faute du premier homme, et aussi à cause des fautes qui ont été faites dans chaque génération, que ça c'est le Icar de la galoute d'Égypte et de toutes les galouyotes, tous les exils, qui kola galouyot ikaram baim rak bishvil pgam haemuna, parce que tous les exils c'est uniquement des exils dans la foi, comme voir bidvei rabbeinuzal kama pa'amim, comme rabbeinu l'a dit plusieurs fois, ou kmo shedarshu rabbeinuzal lo galou israël la lidi shepasku mehem anshei emuna. Pourquoi l'homme israël il est parti en exil? Parce que les gens qui avaient la emuna, ils sont terminés, c'est-à-dire il n'y a plus personne qui avait des emuna. Alken az be pesach ve shavuot tzrichim latzet migalut mitzrayim shekolel kol hagaluyot. Maintenant pesach et shavuot, on doit sortir de la galoute d'Égypte qui inclut toutes les galouyot. Da'inu shetzrichim lachnia ulbatel hakfirot ve emunot kosviot. On doit plier et faire disparaître toutes les confiances négatives qu'on a eues. Shem ikar kol hagalut, que c'est ça le ikar de l'exil. Ula alot haemuna min filata, et de faire remonter la emuna de là où elle est tombée. Donc on a besoin de tous ces tikkunim que Rabbeinu l'a dit dans cette Torah. On doit chercher l'eau qui sont les conseils, que grâce à ces conseils on fait grandir la emuna. C'est-à-dire les conseils c'est comment récupérer notre emuna. Ça fait par le tzaddik qui s'appelle l'homme de compréhension, que lui il fait briller son âme tout le temps par le fait qu'il amène tout le temps de la spiritualité dans les tzimtzumim. Lui, chaque chose qu'il voit qui est un emballage, il met quelque chose dedans. Chaque fois qu'il voit le tzaddik une situation, il rentre Hachem dedans. Dans toutes les situations, il met la présence d'Hachem. Donc lui, il a l'habitude de remplir toutes les choses avec la présence d'Hachem. Donc lui, il répare mamash l'idolâtrie.